Allez, Etihad est prêt, Etihad Stadium est prêt. Nous aussi les gars, on est là. Et bonsoir à tout le monde et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue les gars. On est là pour la plus belle des compétitions, oui. Et aussi un match de rêve, un match exceptionnel. Man City Bayern de Munich et bienvenue à tout le monde. Bienvenue chers amis. Et installez-vous confortablement. On y est. On y est les amis pour cet avant-match entre Man City et Bayern de Munich. Oui. Ça va être la dinguerie. Et je vous salue. Déjà, il y a Boba qui est déjà là. Je vous salue et bienvenue à vous. Il y a aussi donc Aliou Marena. Salut à vous Aliou Marena. Salut à vous Amina Sow. Salut à tout le monde. Et bienvenue les gars. Nous avons déjà les compos probables en attendant les compos officiels. Ça va être exceptionnel ce match. Allez, je vous montre rapidement le tableau pour vous montrer ça. Parce que je dis, on a deux très belles équipes. Deux très belles équipes. L'une cherche sa première Ligue des Champions. Oui, il s'agit de Man City. Ça ne va pas être facile. Ils ont tenté ces dernières années. La dernière fois, ils sont tombés sur un Real Madrid exceptionnel. Un Real Madrid qui a terminé donc champion l'année dernière. Et voici quand même le tableau récapitulatif pour vous montrer un peu l'enjeu. Parce que si le Bayern nous passe, ils vont affronter le vainqueur du match Real Madrid-Chelsea. Donc ça montre carrément que nous aurons quoi qu'il advienne une demi-finale exceptionnelle. Donc on a Man City, Bayern Munich, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel et ce que nous avons aujourd'hui. Et bienvenue. Hein. J'ai pas assez de force pour parler. Mais quand même, on va tenir bon. Allez, voici le tableau récapitulatif. Donc l'autre demi-finale que nous aurons, c'est Benfica Inter de Milan. Nous allons observer de près. Dès demain, nous aurons Real Madrid-Chelsea, après AS Milan, Naples, les amis. C'est ça, en tête aujourd'hui, les quarts de finale que nous aurons à partir dès maintenant. Nous aurons qui va gagner. Nous serons en tête aujourd'hui qui va gagner la marche aller. Soit c'est Man City, soit c'est Bayern de Munich, en espérant que Sadio Mané joue aussi. On espère vraiment qu'il va jouer aujourd'hui. Allez, on va directement du côté de l'Etihad Stadium. Allez, salut à vous Mohamed Diagne, salut à vous Mohamed, salut à vous Tedina Omar Daoua. Allez, bonsoir à vous. Ouais, on est prêt. Allez, Marina, à tous, 0 but partout. Allez, merci beaucoup. Allez, les gars,
On va parler de cette rencontre. On va parler de cette rencontre parce que c'est un match capital quand même. On sait actuellement, c'est les deux meilleures équipes en tête aujourd'hui en Europe si on parle de façon par rapport au ratio but. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'équipe de Man City au total, ils ont marqué 117 buts, toute compétition convenue depuis le début donc, de la saison. Du côté du Bayern, ils ont marqué 118 buts. Ça montre carrément, ce sont les deux meilleures attaques en Europe. Donc ça montre aujourd'hui le match que nous aurons. Forcément, nous aurons des buts. Aujourd'hui, si nous prenons les attaques, on a dit tout à l'heure que c'est les deux meilleures attaques. City qui a marqué 117 buts, toute compétition confondue. Le Bayern de Munich qui a marqué 118 buts. Ça montre carrément aujourd'hui quel match nous aurons aujourd'hui. Donc, au niveau des attaques, on a un Erling Haaland exceptionnel qui est en train de battre tous les records avec ses 44 buts, toute compétition confondue. Et si nous prenons l'équipe de Bayern de Munich avec le meilleur buteur, c'est Moussiala en championnat. Choupo-Moting, Moussiala, Leroy Sané, les trois meilleurs buteurs de Bayern Munich, eux trois, ils ont marqué 45 buts. Et si nous prenons au total, ça signifie que Haaland a marqué en texte aujourd'hui plus de buts que l'attaque bavaroise. Donc l'attaque bavaroise, au total, que ce soit Choupo-Moting, Moussiala, Leroy Sané, les trois meilleurs buteurs du Bayern, au total, ils ont marqué 45 buts. Et Haaland, au total, il a marqué 44. Ça montre carrément, même si que c'est 45 buts, un but d'écart entre les trois. Donc ça montre carrément que Erling Haaland, cette saison, il a montré de très bonnes choses. Et il n'a pas encore fini de nous impressionner. Et on a l'habitude donc, au début, on se posait la question, est-ce que Haaland va réussir quand même à s'imposer avec le système de Guardiola? Il est en train de dire à tout le monde, oui, je suis prêt à montrer à tout le monde que je fais partie des meilleurs joueurs et probablement un futur ballon d'or. Pourquoi pas? Il est en train de montrer de très bonnes choses quand même avec Man City qui est en train, même s'ils ont actuellement deuxième en championnat, c'est pas fini, avec une équipe d'Arsenal. Donc, dimanche, ils ont fait match nul contre Liverpool 2-2. Ça montre carrément qu'aujourd'hui, City a ses sens en championnat, a ses sens en Ligue des Champions. Ces dernières années, ça allait être beaucoup plus compliqué. Parce que si on voit carrément City, en commençant par la saison 2011-2012, City a terminé donc cette Ligue des Champions éliminée en phase de groupe. En saison 2012-2013, éliminée en phase de groupe. 2013-2014, City a été éliminé en 8e de finale, notamment par l'FC Barcelone. 2014-2015, éliminé par le Barça. 2015-2016, éliminé en demi-finale par le Real Madrid. 2016-2017, éliminé en 8e de finale par l'AS Monaco. 2017-2018, éliminé en quart de finale par Liverpool. 2018-2019, éliminé en quart de finale par Tottenham. 2019-2020, éliminé par l'Olympique de Lyon, Lyonnais. 2020-2021, ils ont perdu donc en finale contre Chelsea. 2021-2022, la dernière fois, éliminé en demi-finale par le Real Madrid. Ça montre carrément que City, c'est certes, City veut gagner sa toute première Ligue des Champions, ça ne va pas être facile quand même. Il va falloir non seulement battre cette équipe de Bayern Munich qui a remporté cette Ligue des Champions en 2020, ça ne va pas être facile et on attend un match exceptionnel. Allez les gars, je vous salue. Hein. Allez Mohamed, salut à vous Mohamed. Et j'espère que vous allez bien. Allez, merci beaucoup à Trifez, salut à vous. Fallou Tcham, Alhamdulillah, salut à vous Fallou. Mamadou Papuska, salut à vous Mohamed. Zaliane, salut à vous Zaliane. Allez, Diagne, Mohamed Diagne, je vois le Bayern gagner 2 buts à 1, doublé de Mané et un but de Haaland. On va voir. On va voir. Allez, Mohamed Fadel, salut à vous. On va voir. On va voir, les gars. Ça va être un match âprement discuté. Hein. Quoi qu'il advienne, ça va être quelque chose d'exceptionnel. On attend tout ce match âprement discuté avec de très belles équipes. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait tout à l'heure le parcours donc, de Man City. Et Man City qui n'a pas encore gagné cette Ligue des Champions. Ils ont donc été finalistes quand même en 2021 avec Chelsea. Malheureusement, ils ont perdu cette finale. Donc, demi-finaliste la dernière fois contre le Real Madrid, éliminé par le Real Madrid. Même s'ils avaient, pour moi, c'était la meilleure équipe l'année dernière donc, pour remporter la Ligue des Champions. Malheureusement, le Real est passé par là. City n'a pas pu donc discuter donc, cette finale
de Ligue des Champions. Cette année, ils vont affronter une équipe de Bayern, je l'ai dit tout à l'heure, les deux meilleures attaques en Europe. Le Bayern a marqué 118 buts, toutes compétitions confondues. City 117 buts, toutes compétitions confondues. On attend un match donc où nous avons les deux meilleures attaques, ça va être quelque chose de la dinguerie, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et nous, en tant que Sénégalais, on espère que Mané marque. Ouais, on espère qu'il marque. Tupou n'est pas là, il va être titulaire, ça c'est sûr. Mané va être titulaire vu que Tupou Moting n'est pas là. Donc on attend la titularisation de Sadio Mané. On l'a vu la dernière fois donc en championnat, il a montré de très bonnes choses. Même s'il n'a pas marqué, il avait les occasions de marquer. On attend aujourd'hui un autre Sadio Mané parce que quand même, il connaît cette équipe. Il a une fois, il a en texte aujourd'hui joué contre celle-ci plusieurs fois en championnat. Donc aujourd'hui, il connaît cette équipe de City, il connaît Guardiola. Donc à partir de là, on attend de Sadio Mané qu'il brille et aussi avec ses coéquipiers parce qu'on sait, Sadio fait des appels, Sadio demande, mais les ballons ne viennent pas. Donc à partir de là aujourd'hui, un Leroy Sané, un Coman, sans doute ils vont être titulaires. On attend que Mané donc reçoit des ballons et s'il est en forme, il peut mettre de très très bonnes choses. Et il a fêté hier donc son anniversaire, donc son 31e bougie. À partir de là, on attend beaucoup de choses de lui. On attend beaucoup de choses et on soit réaliste. Hein. Et on est vraiment content de le voir retrouver quand même. Il commence vraiment à retrouver son niveau. On l'a vu donc là en championnat. Ça va. El Moustapha Ndaou, le Bayern va gagner. Allez, on va voir. On va voir. Allez, salut Ousmane Kane. Allez, Sadio. Allez, salut à Sabit Snour. Salut à vous. Et j'espère que vous allez bien. Omar Dia, salut à vous. Salut à vous, Aliou. Aliou Nyan. Salut à vous, Aliou. Et bienvenue à tout le monde. Hein. Bienvenue, les gars. Allez, les gars. Quel est votre pronostic? Allez, les gars. Il reste 5 personnes pour les 28095. Allez, il reste 5 personnes pour les 28095. Allez, les gars, il reste 5 personnes pour les 28095. Allez, on compte sur vous. Pour les 28095. Pour les 28100, qu'est-ce que je raconte là? Allez, qu'est-ce que. Donc, Goguma. Court time, d'accord, ça. Vous allez comprendre. Court time, moi, ça. Donc, il reste 5 personnes, les gars, pour les 28100. Donc, court time, moi, ça, quoi. Vous allez comprendre. Allez, salut à vous, Touti. Salut à vous. Penda Production. Manarek, on espère qu'il va être titulaire aujourd'hui. On espère qu'il va être titulaire aujourd'hui. On espère qu'il va être titulaire aujourd'hui. Allez les gars, je vous montre rapidement. Et les gars, selon vous, la question, on va faire quelques teases les gars. Les gars, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions? Pour l'instant, qui est le meilleur buteur? Qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions? Donnez-moi son nom et le nombre de buts qu'il a marqué. Allez les gars, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions? Pour l'instant. On va faire quelques quiz les gars, on a l'habitude de faire des quiz, je vais voir un peu est-ce que vous suivez quand même la Ligue des Champions. On a fait tout à l'heure l'historique des équipes pour montrer quand même le parcours de City 2012 jusqu'à maintenant, avec non seulement éliminé en 2012 en phase de groupe, éliminé en 2013 en phase de groupe, éliminé donc en 2014 par le FC Barcelone en 8e de finale, éliminé en 2015 par le Barça aussi en 8e de finale. Donc on a fait quand même le parcours des équipes. Tout à l'heure on va parler du parcours donc du Bayern de Munich. Allez, donnez-moi le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Allez. Manalek Inch'Allah. C'est pour qui s'il te plaît? Trifat. C'est pour qui? Personne hein, les gars. Ce combat le match. Je suis neutre, même si que j'aimerais voir Mané briller, même si que j'aimerais voir Mané marquer, mais quand même les gars, je suis commentateur, à part de là, je suis neutre. Je ne suis pas neutre si le Sénégal joue et le Real Madrid. Hein. Et vu que mon Real c'est mon équipe, si le Real joue, je ne suis pas neutre. Si le Sénégal joue, je ne suis pas neutre. Mais le reste, les gars, je suis neutre. Karim Benzema, non. Oui, Dal, Alan. Oui, Alan est le meilleur buteur. Alan est le meilleur buteur. Je suis d'accord. Allez, c'est dit. Donnez-moi le nom du meilleur buteur et le nombre de buts qu'il a marqué. Je suis d'accord. C'est Alan. Allez, Alan donc a marqué combien de buts? C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions pour l'instant. C'est le meilleur buteur pour l'instant.
Le meilleur buteur, c'est Bamadia. Allez, tu déconnes, Demba. Allez, Demba, Demba, il n'est pas sérieux. Non, pas de Karim. Pas de Karim Benzema, non. Non. Karim ne fait même pas partie des 5 meilleurs buteurs. Karim ne fait même pas partie des 5 meilleurs buteurs. Donc, c'est pas Karim. C'est pas Karim. C'est pas Karim. Ouais, le meilleur buteur, c'est Alan. Je suis d'accord. Allez, donnez-moi le nombre de buts qu'Alan a marqué. Après, je vais montrer ça. Donnez-moi le nombre de buts qu'Alan a marqué. Frère, prie pour moi. Je vais être un pro. À croire en toi. Y'en a l'air d'après. Y'en a l'air d'après. Comment ça va, frère? Comment ça va, frère? Dites-moi, si tu es bon, si tu veux que tu aies un gars. Comment ça va, frère? Si tu as du talent, tu peux arriver. Si tu as du talent, si tu crois en toi. Donc, tu as dit que tu as vu l'objectif de la barrière. Tu es un peu plus de temps. Mais il faut focus seulement sur le football. Parce que le maillot, des fois, je parle aux jeunes de leur dire que vous voulez devenir des joueurs professionnels. Oui, c'est un rêve. Oui, vous avez le droit de rêver. Mais quand même, tu n'es que dans la tour de Djangal. Tu n'es que dans la Djangal. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être bon, tu peux être exceptionnel. Tout le monde, n'y a plus à Cannes, tu peux devenir un joueur professionnel. Et malheureusement, il y a le Dogolou que malheureusement, tu ne peux pas réussir. Donc. Mais à partir de là, tu football du Dogolou. Fait que Djangaga et tu peux travailler. Donc, c'est ça. Donc surtout les Djangal Gabola n'y arrive pas. Il y a comme la dalle. Donc c'est ça. Et il y en a là, il y a déjà plein. Tout est possible. Crois en toi et ça ira, Inch'Allah. Allez, tout oui, 10 réalisations. Oui, je suis d'accord. Ouais. Allez, je vous montre ça. Le classement donc des meilleurs buteurs en regardant le classement aussi de Mané. Allez, voici le classement, les gars. Allez, voici le classement rapidement des meilleurs buteurs. Donc, avec Alan, 10 réalisations. Moussala éliminé, Liverpool éliminé. Donc, Salah avec ses 8 réalisations. Nous avons Kylian Mbappé éliminé. Vinicius, donc, qui peut aussi donc aller titiller Alan avec ses 6 réalisations. Le Real Madrid va jouer demain. On va commenter ce match Real Chelsea, Inch'Allah. Donc, nous avons aussi donc Dio Mario, toujours en course avec Benfica. Donc, Tarami. Porto éliminé. Raphaël Silva, toujours en course avec ses 5 réalisations. Lewandowski Barça, éliminé avec ses 5 réalisations. Messi, avec ses 4 réalisations, éliminé. Giroud AS Milan, il peut espérer pourquoi pas terminer dans les 4 premiers, tout est possible. Milan, donc nous avons aussi donc Kadouz éliminé. Nous avons Raspadori du Naples avec ses 4 réalisations. Donc le meilleur buteur en Ligue des Champions du Bayern de Munich, c'est. C'est le roi Sané avec ses 4 réalisations. On va voir Sadio Mané. Combien de buts a marqué Mané? Imaginez les amis. Combien de buts a marqué Mané en Ligue des Champions? Allez, Choupo avec ses 17 avec ses 4 réalisations. Allez, on cherche Mané. Allez, on l'a trouvé. Allez, donc Mané à la 24e position avec ses 3 réalisations. Donc pourquoi pas aujourd'hui marquer son 4e but et son 5e, pourquoi pas. Allez, salut à Vivito. Là, il y a mon nom, là, Malara. J'espère qu'il y a Kiyamba. Je suis en première L2. Bientôt la terminale est là. Je suis dans l'école de foot pour l'instant. Allez, bonne chance à vous, Sidi. Bonne chance à vous. Crois en toi. Allez, crois en toi, ça ira, Inch'Allah. Crois en toi, ça ira, Inch'Allah. Comment ça va, frère? Ne me va. Allez, les gars, quel est votre pronostic? Allez, les amis, quel est votre pronostic? Avancez ce Man City Bayern de Munich. On essaie vraiment d'assister à un très bon match, un excellent match quand même, entre ces deux mes équipes quand même. Man City, deuxième en championnat, oui, derrière juste l'Arsenal, et Bayern de Munich premier donc en Bundesliga. Les deux meilleures attaques, 117 buts marqués par Man City, 118 buts marqués par le Bayern de Munich. On essaie vraiment d'assister à un match exceptionnel. C'est la Ligue des Champions, Man City actuellement en forme, qui est entré. C'est tout ravasé avec une très belle équipe qui est très très beau à voir. Et Bayern de Munich, même si ces temps-ci c'est un peu compliqué en championnat, ils ont réussi quand même à gagner les deux derniers matchs. Ils ont battu Borussia Dortmund. Ils ont été éliminés quand même en coupe
par Fribourg. Et ils ont réussi quand même à gagner Fribourg en championnat. On attend. On essaie vraiment d'assister en très bon match. Allez gars, quel est votre pronom? Philopère Delosia. Et les gars, quel est votre pronom? Allez les amis, quel est votre pronom? Allez, si on voit les deux équipes quand même, en parlant des statistiques, des rencontres entre les deux équipes. Donc les gars, donc si on voit un peu par rapport aux statistiques, pour parler des deux équipes quand même. On parlait des deux équipes quand même par rapport en Ligue des Champions. On doit remonter jusqu'en 25 janvier 2014. Ligue des Champions, ouais. Il était dans le même groupe. Bayern City. Donc, Bayern avait battu, Man City avait battu au match retour le Bayern de Munich 3-2, après avoir perdu au match aller 1-0. Donc à partir de là, c'est des équipes jusqu'en 2014 sont rencontrées juste en match amicaux, donc des matchs amicaux. À partir de là, on n'a pas vu les équipes se rencontrer en Ligue des Champions. Surtout en quart de finale, surtout en phase élimination directe. Donc, à partir de là, aujourd'hui, c'est une autre compétition. Et on attend de près pour voir un peu est-ce que ce Bayern de Munich est capable aujourd'hui d'aller chercher ces Ligue des Champions. Et pour rappel, la dernière fois, le Bayern, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils ont été éliminés par Villarreal. Donc cette année, on attend beaucoup de choses par rapport à cette équipe de Bayern de Munich. Même si que ça ne va pas être facile quand même, ils ont réussi quand même à éliminer le Paris Saint-Germain. Donc en face, il y a une autre équipe, il y a un autre adversaire qui est Man City, qui actuellement se roule le compresseur, qui marche bien. Donc aujourd'hui, on attend de près pour voir est-ce que ce Bayern de Munich est capable d'aller chercher ces Ligues des Champions. Et pour moi, cette année, en regardant ces équipes jouer, pour moi, si je devais sortir les deux favoris, c'est le Real Madrid et Man City. Voilà. Pour moi, City, par favori de ce match, même si le Bayern ne peut battre cette équipe, même si le Bayern aura la chance de recevoir Man City au match retour à domicile, mais quand même pour moi, mes deux favoris, c'est Real Madrid, City. Pour moi, City, l'année dernière, il pouvait remporter la Ligue des Champions. Oui, pour moi, Guardiola a éliminé City. Contre Real Madrid, Guardiola a éliminé City. City était largement supérieur à cette équipe de Real Madrid. Mais malheureusement, le Real reste le Real. Malheureusement pour City, ils ont complètement passé à côté, donc au match retour, éliminé par le Real Madrid en demi-finale. Donc cette année, ils ont vraiment leur sens. Il ne faut pas commettre encore les mêmes erreurs. Et c'est dit ça à Guardiola. C'est un test aujourd'hui. C'est un excellent entraîneur. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Il a révolutionné le football. Mais des fois, il fait trop. On a vu contre le Real Madrid, il pouvait gérer ce match. Il pouvait gérer ce match et aller sans doute jouer la finale contre Liverpool. Sans doute gagner sa toute première Ligue des Champions. Et Guardiola a éliminé City l'année dernière. Et aujourd'hui, contre son ancienne équipe qui est le Bayern de Munich, on attend beaucoup de choses de voir carrément est-ce que Guardiola peut désuer quand même c'est les plans de Thomas Tuchel. On va voir tout cela. Tu vois quoi comme score? Et les gars, moi j'ai l'habitude de donner. Donc 2-1. Pour moi, 2-1. Le match va terminer sous le score de 2-1. Et victoire de City. City va battre les gars. Bayern Munich 2-1. Les gars, pour moi, le match va terminer sur le score de 2-1. Allez, merci beaucoup les gars, à tous ceux qui s'abonnent. Et vous êtes sûrs. Allez, il reste une personne pour les 28 100. Il reste une personne, les amis, pour les 28 100. Allez, Yacine Kanté, salut à vous Yacine. Morphal, salut Eli, salut à vous. Allez, Ramadan, ouais, les gars, je suis fatigué. Abiba Baro, salut à vous Abiba, j'espère que vous allez bien. Soldat 21, allez, salut à vous. Hein. Et puis, bienvenue encore une fois. Allez, merci beaucoup à la personne qui vient de s'abonner. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Allez les gars, selon vous, on a vu cette équipe de City l'année dernière. Et les gars, selon vous, qu'est-ce qui manque à cette équipe de City de remporter sa toute première Ligue des Champions? Selon vous, qu'est-ce qui manque à City? Qu'est-ce qui manque à City de remporter sa toute première Ligue des Champions? On les a vus.
l'année dernière, éliminé par le Real Madrid en demi-finale. Ils ont joué une finale, oui, en 2020 contre Chelsea, battu par Chelsea. Les gars, selon vous, qu'est-ce qui manque à cette équipe? Ils ont de très bons joueurs, je suis d'accord. Ils ont un bon entraîneur, je suis d'accord. Ils ont un beau stade, je suis d'accord. Ils ont un public exceptionnel, je suis d'accord. Mais les gars, qu'est-ce qui manque à cette équipe? Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour que City remporte sa toute première Ligue des Champions? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à cette équipe, les gars? Qu'est-ce qui manque à cette équipe, les amis? J'ai dit 2020, 2021, une finale contre Chelsea en 2021, autant pour moi. Donc les gars, qu'est-ce qui manque à Chelsea? Qu'est-ce qui manque à City? Ils ont de très bons joueurs. Si on est tous d'accord que City a une très belle équipe. Ils ont un bon entraîneur. On est d'accord. Ils ont un bon public. On est d'accord. Ils ont un bon stade. On est d'accord. Qu'est-ce qui manque à cette équipe, les gars? Pourquoi City n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui manque à cette équipe? C'est quoi le problème? Et moi, j'aimerais vraiment, les gars, que vous mettiez sur ça. Que vous parlez, qu'on parle de ça. Ils ont tout. Ils ont tout, les amis. Allez, merci beaucoup à Mustapha. Allez, pour ton don de 5 dollars. Allez, Mustapha, tu es exceptionnel. Allez, tu fais partie des meilleurs donateurs de la scène. Merci beaucoup, Mustapha, pour ton don de 5 dollars. Allez, les gars, des aisés à Mustapha. Merci beaucoup à Mustapha. Merci beaucoup pour ton don de 5 dollars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La confiance, nous dit Amina. Et les gars, est-ce que vous êtes d'accord? Amina nous dit, elle dit que c'est la confiance qui manque à City. Et les gars, est-ce que les compos sont tombés? Est-ce que les compos sont tombés? Mustapha, merci beaucoup encore à vous. Merci beaucoup à vous, Mustapha. Merci beaucoup. Big up, les gars. Des aides à Mustapha pour son don. Il fait partie des meilleurs donateurs donc, de la chaîne avec Boxon, avec Diego aussi. Donc, merci beaucoup à vous, Mustapha. Mais restez. Allez, merci beaucoup. Mané sur le banc. Ah bon? Allez, salut à vous, Roubiette, tout ça. Salut à vous, Roubiette. Et les gars, les copos sont tombés. Allez, je vais voir. Je vais voir. Oui, les copos sont tombés. Les copos sont tombés. Oui, Mané sur le banc. Aïe, 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 aïe. Ah! Donc, le seul changement, les amis, c'est Sadio Mané. Donc, on a les compos. Nous avons les compos. Les compos, donc, sont tombés. Et malheureusement, donc, Sadio Mané n'est pas titulaire. Ouais, Mané sur le banc. Aïe, 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 aïe. Les gars, j'aimerais vraiment, les gars, les amis. Les amis. Oh. À l'absence de Toupo, j'attendais que Thomas Tuchel aligne Mané. Hein. À l'absence de Toupo, malheureusement, donc Mané va démarrer ce match sur le banc. Malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ah, donc, Mané sur le banc. Allez, nous avons Gnabry donc à la place de Mané. C'est le seul changement. Allez, du côté du City, donc, nous avons Ederson, Diaz, Ake, Essence est là aussi, Akenji, c'est bon. Nous avons Rodri, De Bruyne, Gundogan, c'est bon. Donc, Mahrez n'est pas là, nous avons Grealish. Donc, Bernardo Silva à la place de Mahrez et Alan, c'est bon. Donc, nos deux Africains ne sont pas titulaires. Donc, Mahrez est sur le banc, Mané aussi est sur le banc. Donc on attendait à la titularisation de Mahrez aussi. Donc il y a Bernardo Silva donc à la place de Mahrez. Et les gars, est-ce que vous êtes surpris sur la non-titularisation de Mahrez? Est-ce que vous êtes surpris les gars sur la non-titularisation de Mahrez? Est-ce que vous êtes surpris les gars? Et les gars, est-ce que vous êtes surpris sur la non-titularisation de Mané? Est-ce que vous êtes surpris sur la non-titularisation de Mané?
Et moi, je m'attendais à la titularisation de Mané, hein, pour vous dire vrai. Pour moi, j'attendais voir Mané titulaire. Allez, les gars, on like. Allez, les amis, on like. Et les gars, on like. Il reste 4 personnes pour les 100 likes. Allez, décolle sur vous, les gars. Allez, continuez à liker, les amis. Allez, nous avons déjà donc. Les compos sont désormais officiels. Nous allons commencer par la composition donc de Man City, aligné par l'entraîneur Cartola. Ederson donc dans les buts, nous avons Diaz, Essence, Akenji, Ake. Et devant nous avons Rodri, De Bruyne, Gundogan. Et devant nous avons Bernardo Silva, Alan et Grealish. C'est ça la composition alignée par Cartola. Allez, du côté donc des Bavarois. L'équipe alignée par Thomas Tuchel à l'absence de Sadio Mané. C'est l'information. Sadio est sur le banc. Donc nous avons Sommer dans les buts. Upamecano, De Ligt, Pavard sur le côté droit. Davis sur le côté gauche. Kimmich, Moussiala, Goretzka. Et devant nous avons le roi Sané, Gnabry et Coman. C'est ça. Les compos et les gars. Est-ce que vous êtes surpris? Et Delozier. Mané a perdu ses automatismes. Oui, Mustapha, ouais, je suis d'accord, ouais. Mais quand même, à l'absence de Toupo, j'attendais vraiment à sa titularisation. Mais ce sont des choix de coach, donc le coach a jugé nécessaire que de laisser Mané sur le banc. On va voir est-ce que c'est son choix et ce sera le bon ou pas. À partir de là, aujourd'hui, c'est à Sadio Mané, une fois sur la pelouse, il va forcément rentrer et montrer des très bonnes choses. Aujourd'hui, c'est que la concurrence, elle est rude, on sait. J'accepte, il revient de blessure. J'accepte, il n'est pas encore à son meilleur niveau. J'accepte, il n'est pas si performant. J'accepte. Donc aujourd'hui, le voir sur le banc, je suis surpris quand même. J'attendais à sa titularisation, mais quand même, on doit être réaliste. On l'a vu quand même. Il n'était pas mauvais la dernière fois contre Fribourg. Il a montré des très bonnes choses. Mais à part de là, aujourd'hui, le voir sur le banc, je suis surpris. Mais c'est à lui aujourd'hui, une fois sur la pelouse, de montrer des très bonnes choses. C'est ça qu'on a demandé. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, moi, je sais que Coman, c'est un titulaire indiscutable. Le roi Sané, c'est un titulaire indiscutable. Forcément, ce sont les deux qui vont jouer sur les côtés. Moi, j'ai vu Thomas Tuchel à son arrivée de mettre contre Dortmund Coman sur le côté droit, comment dirais-je, le roi Sané sur le côté gauche. Et contre Fribourg, aligné donc la même équipe. Et pour moi, j'ai dit que voici le 11 titulaire de Thomas Tuchel. Et tu vois, honnêtement, c'est à Sadio Mané aujourd'hui. Il va forcément retrouver son niveau. Ça va demander du temps. Il va forcément retrouver son niveau. Et une fois qu'il va retrouver son niveau, forcément, il bouffe Coman, il bouffe le roi Sané. Il est meilleur que ces deux joueurs. Et ça demande du temps. Laissons le temps à Mané. Il va revenir. Sans doute ça va être l'année prochaine, on ne sait pas. Et pour moi, City est favori donc dans cette rencontre. On va voir. Ainsi que sa confiance. Oui, Mustapha, je suis d'accord. Ainsi que sa confiance. Et tu vois honnêtement qu'il commence vraiment à perdre sa confiance. Les gars, moi je vois au Sadio Mané que je n'ai jamais vu sur la pelouse. Mané se fasse pour rien. Mané se fasse pour rien, tu vois honnêtement, il est énervé. Et à part de là, si tu ne marques pas, tu commences vraiment à perdre ta confiance. Et c'est à lui aujourd'hui, il le sait, il l'a dit. Donc ça demande du temps. Laissons le temps à Mané, il va venir forcément. Le voir sur le banc, c'est pas quelque chose qu'on attendait. Mais quand même, son entraîneur a vu nécessaire de le rester sur le banc. On va voir. On commence à faire des pouces. Voilà, c'est important. Allez, continuez à faire des pouces. Salut à moi, Lusso. Et j'espère que vous allez bien. Allez, Mohamed Meng. Mais Foden de blessé, Khana. Foden, ouais. Foden, il est sur le banc ou il est blessé? Foden, vous allez voir les joueurs qui sont sur le banc. Foden est blessé. Hein. Foden est blessé, donc... il a un problème donc des ischios. Donc Foden est blessé. Et Tala Lagan, salut à vous Tala. Franchement, je m'attendais. Ouais, on attendait tout ça. Les chroniques Abdoulaye Barry, mon ami surpris, oui, mais
ce n'est pas une très bonne optique avec un manque de temps de jeu en championnat. Et le niveau un peu baissé sur le fil du temps, mais il devra bosser pour revenir. Ouais, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il doit bosser, il doit travailler encore une fois. Et ça demande du temps. Laissons le temps à Mané. Donc il y a des gens qui critiquent pour rien. Et pour moi, ils font trop. Ils font trop. Il faut laisser du temps. On sait s'il a son niveau, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Donc ça demande du temps. 3 mois sans jouer, il revient dans une équipe qui marche avec ses concurrents directs, que ce soit Coman, Leroy Sané sur les côtés. Ça va, ça va. Mohamed Meng, Niabri défoule le mois là tout de suite. Ah quand même, mais quand même, on en parle. Et Niabri, les gars, voir Niabri devant, c'est pas une surprise pour moi. Parce qu'on sait, le coach a testé Mané devant. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné de très bonnes choses. Donc à part de là aujourd'hui, on l'a vu contre Fribourg, c'est Niabri qui a joué donc comme attaquant de pointe. Donc moi, j'avais cette équation. Je me suis dit, Tupou n'est pas là. Tupou c'est l'attaquant de pointe. Si Tupou était là, forcément c'est Tupou qui va être titulaire. Donc pour moi, je me dis que Tupou Moti n'est pas là. Donc le coach a deux choix. Soit de mettre Niabri devant, soit de mettre Sadio Mané devant. Et qui sait, la dernière fois, il a mis donc Mané sur le côté. Donc sans doute Mané a donc haussé le ton quand même à dire non. Donc je préfère pas jouer devant, je préfère jouer donc sur le côté. Donc aujourd'hui, ce sont des choix de côté. Et sur les côtés, tu vois nettement, il y a deux joueurs qui sont en train de montrer des très bonnes choses. Il y a Coman et Leroy Sané. Donc le choix du coach est fait. Donc Coman est titulaire, Leroy Sané c'est titulaire, est titulaire. Donc c'est ça. Merci beaucoup Amadou Gassama, salut à vous. Avec ce système de 3-5-2, c'est très très difficile de revoir Mané au top niveau. Ouais, oui quand même, ouais. Ouais. Soldat des Amada, Sadio est plus cohérent que Niabri lors des derniers matchs. Oui, Niabri, on peut dire, il revient aussi. Niabri n'était pas titulaire. Hein. Mais quand même, ce sont des histoires de coach, les gars. On voulait voir Mané titulaire, mais malheureusement. VIP Doff. Franchement, ça m'a pas surpris, il l'avait dit après le match du week-end. 90 minutes n'a pas de tir, honnêtement, Coman est meilleur que lui sur le côté 2. Oui, pour l'instant, on peut dire ça. Hein. Pour l'instant, on peut dire Coman est meilleur que lui, hein, pour l'instant. Quoi qu'on puisse dire. Attends, Sénégalais est africain, mais pour l'instant, Coman est au-dessus. Hein, pour dire. Le peu de patience, Mané veut revenir en force. Ouais, ouais, Moustapha, ouais. Ouais, je vais entendre ça, les gars. Quoi qu'il advienne, il va revenir à son meilleur niveau. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être samedi, et aussi ça peut être l'année prochaine. Hein. Ouais. Et qui sait, la saison de Mané est terminée. Hein. Est-ce qu'il va retrouver son niveau jusqu'avant la fin de la saison? On ne sait pas. La question se pose. Et ça peut être l'année prochaine. Hein. On ne sait pas. Ablaïsen. Allez, Mohamed, merci beaucoup. Allez, Alousso, il doit tenter de club Mané. Non, non, les gars, c'est trop, non, les gars, ça demande du temps. Pourquoi changer de club? Pourquoi? Et les gars, vous oubliez que Mané était titulaire indiscutable. Lorsqu'il était là, avec ses débuts avec le Bayern, il était titulaire indiscutable. Hein. C'est sa blessure qui a causé tout cela. Mais quand même, les gars, non, pour moi, il va réussir. Pour moi, il va réussir avec le Bayern. La saison a été donc bloqué avec sa blessure, mais quand même, il va réussir. Non, il ne doit pas s'enlever des clubs. Non, je ne suis pas d'accord. Allez, salut à vous, Boxon. Mané a perdu son jeu. Il doit retrouver la forme. Ouais. Il va retrouver aussi. Hein. Ça demande du temps. Laissons le temps à Mané. Il va revenir, les gars. Il va revenir. C'est un travailleur, c'est un beau bosseur, mais... Mais c'est ça qui est déjà réglé. Je ne pense pas qu'il manque de rythme ou physique, mais je pense qu'il manque de repères d'adaptation. Ouais, ça aussi. Ouais, c'est tout un ensemble là. Dans la fin, le match c'est à quelle heure? Le match commence à 19h. Le match est à 19h. Mais il retrouve sa place de titulaire avec le temps parce qu'il a le mental. Oui, il a le mental, il a tout. Il va revenir.
Les gars, on connaît Mané, on l'a vu avec son parcours. Les gars, forcément, le parcours de Mané, si on vous retrace ça, si on vous parle ça, tu sais que ce gars a ce mental d'acier quand même. Ce mental est incroyable. Donc, à part de là, moi, j'ai pas de doute. Donc, il va revenir à son meilleur niveau. Donc, je l'ai dit, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ou ça peut être la saison prochaine. Hein. On ne sait pas. Donc, c'est à lui aujourd'hui de travailler. Il sait aujourd'hui, il est en main forme. C'est à lui aujourd'hui de croire en toi. Donc, ce sont des choses qui arrivent au meilleur. Donc, c'est à lui aujourd'hui de prendre ça avec philosophie, de travailler dur et de revenir à son meilleur niveau. C'est ça. Mignan Bayarnerek, je préfère qu'il m'ait pris un point, ça veut dire qu'il sera en concurrence avec Koukro et Coman en concurrence avec Mané. Ouais, les gars, vous avez réclamé Mané, donc le voir sur le côté. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a deux joueurs qui sortent, c'est Coman et le Roi Sané. Même si moi, j'aime pas le football de Roi Sané. Le football de le Roi Sané, j'aime pas. J'aime pas le football de le Roi Sané. Le football de le Roi Sané, les gars. Mané va revenir, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. Mané. De toutes les façons, j'ai le sentiment qu'il va faire quelques radios ce soir. Ouais. Il a l'habitude de jouer avec City. Il a l'habitude de jouer avec City. Il a l'habitude de marquer, oui, aussi. Donc, il peut faire quelque chose. Hein. Allez, Oron, salut à vous. Salut à vous, Oron. J'espère que vous allez bien. C'est difficile d'être concurrence avec Coman. Oui, Mohamed, Coman actuellement il est en forme, hein. Mais quand même, on s'en souvient quand même. Oman, Coman aussi est capable de passer complètement à côté. Hein. Ouais, et quoi qu'il. Les gars, ça je vous le dis, vous aussi vous le savez ça. Si Sadio Mané est en forme, il est meilleur que Coman, il est meilleur que le Roi Sané. Hein. Ça, on n'en disconvient pas. Aujourd'hui, il est en main forme, on est d'accord. Pour l'instant, on peut dire Coman est meilleur que lui. Oui, je suis d'accord. Mais Sadio, si Sadio est en forme, il est meilleur que ses joueurs. Il est meilleur que ses joueurs. Et les gars, on cherche les 100 likes, s'il vous plaît, les gars. Les gars, on cherche les 100 likes. Je sais qu'actuellement, vous êtes en face de votre télévision. Je sais que vous préparez actuellement la rupture. Quand même, les amis, continuez à liker. Continuez à liker, les amis. C'est important. Allez, continuez à liker pour que le live puisse être proposé à d'autres personnes. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent ce match. C'est important. Mais quand même, continuez à liker, les amis. Mohamed, c'est difficile d'être à côté. Ah ouais. Ahmed Ndiaye, Medina, Inch'Allah. On espère. Ça va marcher, Inch'Allah. Mohamed, soyons patients avec Mané, ça va venir, c'est sûr. Ouais. Ndaï Louis, salut à vous, Ndaï. Et j'espère que vous allez bien. Les gars, on cherche les 100 likes. On cherche les 100 likes, les amis. Je compte sur vous. Et continuez à vous abonner. Allez, j'ai pas activé. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Allez, il reste une personne pour les 28 110. Non, Daïva, Inch'Allah. Ça demande Google, Inch'Allah, on espère. Machin gagné, c'est normal. Ouais, c'est normal. Bayern doit vendre le Roi Sané et acheter Harry Kane. Ouais, ils vont chercher un attaquant. En tout cas, aujourd'hui, ils ont dit ça. Donc, l'année prochaine, non seulement, ils vont chercher donc, un attaquant de pointe. Donc, ils voulaient un attaquant. Il y a donc Mané qui était là. Ils ont accepté ça de Mané pour remplacer le départ de Lewandowski. Donc ils ont compris quand même Mané n'était pas un attaquant, donc un pur neuf. Après ils ont donc décidé de chercher un attaquant de pointe, surtout avec la trêve. Ils n'ont pas réussi quand même à accepter parce que Tupou a réussi à montrer des très bonnes choses. Tupou a rassuré. Ils ont décidé donc de ne pas accepter donc un attaquant. Donc à partir de là jusqu'à la fin de la saison, ils vont décider donc d'accepter un attaquant. Donc, il y a beaucoup de pistes. Donc, il y a Harry Kane donc, qui fait partie aujourd'hui des pistes. Il y a aussi donc il y avait un joueur que j'avais vu. Il y avait Harry Kane. Donc à partir de là,
forcément l'année prochaine, Bayern Munich va aller chercher donc ils vont chercher un pur neuf. Hein. Ouais, en route vers les 30K. En route vers les 30K. En route vers les 30K. Et qui sait, au mois de janvier, on était à 9000. Et c'est vraiment exceptionnel. Et qui sait, au mois de janvier, on était à 9000 abonnés. Ouais, juste là. Au mois de janvier, on était à. Et donc, au mois de janvier, donc, on a atteint les 10000 au mois de janvier. On a atteint les 10000 au mois de janvier. Ouais. Au mois de janvier, on a atteint les 10000 au mois de janvier. En janvier, février, mars, avril. C'est bon, les gars. Vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Et salut à vous Omar depuis Espagne. Ouais, pour moi, je l'ai dit, pour moi les gars, le football de Leroy Sané, ça ne me plaît pas. On sait pourquoi Leroy Sané a quitté Man City, on sait. Guardiola en tête aujourd'hui, il n'aime pas ces joueurs aujourd'hui qui sont un peu individuels. Donc Leroy Sané, il est trop individuel dans son jeu. Tu vois honnêtement qu'avec le Bayern, des fois, il agace, des fois, moi-même qui commente le match, des fois, il m'agace quand même. Donc, à part de là aujourd'hui. Moi, j'aime voir Gnabry quand même sur le côté droit au lieu de Leroy Sané parce que quand même c'était un bon joueur, quoi qu'on puisse dire. Il est capable donc d'apporter beaucoup de choses à son équipe. Mais aujourd'hui, le football de Leroy Sané, les gars, moi, j'aime pas le football de Leroy Sané. J'aime voir aujourd'hui un Gnabry sur le côté droit. J'aime voir aujourd'hui un Sadio Mané sur le côté. Donc Leroy Sané, pour moi, c'est un bon joueur. Il est exceptionnel. Il est bon, mais j'aime pas son football. J'aime pas son football. Le football de Leroy Sané, les gars, j'aime pas. Le son, j'entendais Chelsea, qui est comme équipe. Je veux me surprendre les frères. Allez Mohamed, demain on va vous massacrer. Ça c'est bon. Demain on va vous massacrer. Salut à vous, Baymore. Ouais, Amina, ouais. Merci beaucoup. Ouais, vous êtes exceptionnel là. Hein. Vous êtes exceptionnel. Même si que tu ne comptes, All of Life, forcément, tu l'as taf, atteindre les 50 abonnés, 50. Tu ne comptes All of Life, donc. Mais quand même, vous n'êtes que ce bug. Donc, moi, j'ai décidé de créer sur ma scène. Donc, pour que me toucher d'autres communautés là. Hein. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, si nous avons donc des abonnés de la RDC, si nous avons des abonnés donc de l'Algérie, des Algériens, donc, à part de là. Donc c'est ça le mon objectif quand même. Donc fini contre Olaf Lengorandev, forcément, comme depuis le niveau sénégalais, Muni créé une scène donc avec Lidwar Olaf. Donc il y a une 10, ils ont beaucoup d'abonnés. Donc. Quand même. Mais on va faire ça. Ça demande du temps. Il y a comme tu Tara. Donc jusqu'à la fin de l'année, on vise les pourquoi pas les 50K. C'est possible. Et on. Dank. Domon. Et merci beaucoup à vous. Hein. Sans vous, ça va être beaucoup plus compliqué. Quand on aime le bon foot, forcément celui de Sané l'est à désirer. Non, Sané c'était un bon joueur. Hein. C'est juste son football, je sais pas. C'est qu'il est trop perçois. Sa demande ne sera pas partant. Il est sur le banc de tout. Ouais, il est sur le banc. Ouais. Oh non. Oui, il est sur le banc. Et les gars, quel est votre prono? Allez les amis, quel est votre pronostic pour ce match? Allez donc, on va rentrer tout à l'heure donc du côté du Théâtre Stadium. Pour vivre, vous allez dire, c'est les deux meilleures équipes, deux meilleures attaques en Europe. 117 buts marqués par Man City, 118 buts marqués par le Bayern de Munich. On va voir de près entre ces deux équipes. Le Bayern de Munich va aller sur cette demi-finale, pourquoi pas. Et qui sait, soit contre le Real Madrid, soit contre Chelsea. On va voir, Man City va aller chercher, va aller viser cette demi-finale. Il va falloir non seulement gagner cette masse, aller avant donc la masse retour. Au 19 donc du côté donc de l'Alliance Arena, ça va être la dinguerie. Ce match aller va être quelque chose d'exceptionnel. On va voir tout cela. 3-1 City. Mohamed, on va voir. 3-1 pour City. Allez, merci les gars pour les 114 likes.
Merci déjà les gars pour les 114 likes. Donc allez. Moi ça m'a abonné. Attendez que je. Madame Crowley Ndongo Fouktol. Attendez que Madame Crowley Ndongo Fouktol. Quand même. En fait, le match est à 19h. Hein. Merci beaucoup à Medigay, merci beaucoup à vous. Donc les gars, je parlais tout à l'heure donc du parcours de Man City. On va commencer par le parcours de Man City. Après, on va parler du parcours du Bayern de Munich. En commençant par 2012. 2012 d'abord les gars. On commence par l'année 2012. 2012-2011. City a été éliminé en phase de groupe. Ouais, la saison 2011-2012 en Ligue des Champions. On a vu. Donc c'était la saison 2011-2012, City a été éliminé en phase de groupe. Et la saison qui suit après, 2011-2012-2013, la même chose, éliminé en phase de groupe. Et à partir de 2012-2013, on va voir cette montée en puissance de Man City. Pourquoi aujourd'hui City fait partie des meilleures équipes en Europe? Oui, ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions, mais quand même, ce qu'ils ont en train de montrer avec cette montée en puissance montre carrément que City, ces dernières années, fait partie des meilleures équipes en Europe. Je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, pour moi, City méritait de gagner cette Ligue des Champions. Malheureusement, ils ont tombé sur un Real Madrid des Ligues des Champions. Un Real Madrid qui marchait sur l'eau. Un Real Madrid avec Karim Benzema exceptionnel. Donc, le match a été perdu pour moi à cause de Guardiola. Guardiola a éliminé City, donc la saison dernière, contre le Real Madrid. Et si City passait, éliminer le Real Madrid, City était nettement supérieur à cette équipe de Real Madrid. Malheureusement, City a passé à côté donc, de cette demi-finale. Aujourd'hui, ils ont cette chance, ils ont ces sages. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la saison 2013-2014, éliminé en huitième de finale donc par le Barça. 2014-2015, éliminé aussi par le Barça en demi-finale. On est donc 2015-2016, éliminé par le Real Madrid, on voit. Ils ont été en huitième de finale deux années consécutives. Après, la saison qui suit donc 2015-2016, City a réussi quand même à jouer pour la première fois une demi-finale. Une demi-finale, donc à 2015-2016, malheureusement éliminé par le Real Madrid. Donc 2016-2017, ils ont joué une huitième de finale contre l'AS Monaco. Battu par Monaco, le Monaco de Berbatov, le Monaco de Kylian Mbappé. Le Monaco donc de Bernardo Silva aussi, donc à l'époque il était donc du côté de Monaco. Donc Falcao aussi était donc à Monaco cette année, donc 2016-2017, durant cette saison, éliminé par l'AS Monaco en huitième de finale. Donc 2017-2018, quart de finale contre Liverpool, éliminé par Liverpool. 2018-2019, quart de finale aussi, éliminé par Tottenham. 2019-2020, éliminé par Lyon. Donc aujourd'hui, à partir de là, on sait 2018-2019 c'est en Covid. Donc il n'y avait pas, donc ces matchs de quart de finale, donc c'est joué seulement sur un seul match. Donc éliminé par l'Olympique de Lyonnais sur la saison 2019-2020. Donc, ils ont réussi quand même à jouer pour la première fois une finale de Ligue des Champions contre Chelsea avec un Édouard Mendy exceptionnel, donc qui a réussi quand même à remporter cette Ligue des Champions donc lors de cette saison 2020-2021. Donc quart de finale, trois années consécutives, 2018, 2019, 2020, 2021, ils ont réussi à jouer une finale, quand même. Bon. Et la dernière saison, éliminée par le Real Madrid en demi-finale. Donc ça montre carrément que cette équipe fait partie des meilleures équipes en Europe. Donc à partir de là aujourd'hui, on attend quand même de les voir aujourd'hui. Cette année, il va falloir non seulement battre cette équipe du Bayern de Munich, le Bayern a une très belle équipe, le Bayern aujourd'hui a envie aussi donc d'aller chercher cette Ligue des Champions. Ils ont réussi quand même à gagner en 2020. Cette année, ça va être différente. Ils ont réussi à sortir le Paris Saint-Germain, pour moi, qui était l'équipe la plus moyenne donc sur les huitièmes de finale. Aujourd'hui, le Bayern de Munich a ses chances. Mais attention, il y a ce rouleau compresseur qui est Man City,
qui est en train de marcher sous l'eau, même si en Premier League, ils ne sont pas encore premiers, devancés par Arsenal. Ils ont leur sens. City est là, avec une très belle équipe, avec un bon entraîneur, sans doute l'un des meilleurs entraîneurs donc, au monde, Guardiola. Donc à partir de là, ils ont un football rayonnant, ils ont une équipe qui marche. Attention Bayern, attention, même si que le Bayern donc, peut battre cette équipe, mais attention. Dior Diallo, salut tout le monde, salut à vous Dior. Aujourd'hui, ça demande va faire gagner le Bayern dès son entrée, Inch'Allah. Hélas, allez, on espère. Az Kalabo, salut à vous Az, et j'espère que vous allez bien. Allez, Ramsès, salut à vous Rama, et j'espère que vous allez bien. Salut à vous Rama. Badou Gueye, salut à vous Badou. Merci beaucoup Az. Et joyeux anniversaire à vous, Rama. J'ai vu que ce soir, ça demande notre fête anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Rama, man. Salut à vous. Salut à vous, Badou. Salut à vous. Mangindogu Dignou. Allez, bon dogo à vous. Et bon dogo à tout le monde. Hein. Ceux qui sont dans la diaspora, bon dogo à vous, les gars. C'est heure, les bouillottes. Il est 20h28. Donc, dogo diot 9 ans. Dogo diot 9 France. En Italie et donc en Europe presque. Dogo diot 9 ans. Donc, bon dogo à vous, les gars. Bon dogo à vous. Abdourahmane Camara, pourquoi Sadio sur le banc? Ouais, ce sont des choix de coach. Hein. C'est le choix de Thomas Tuchel. C'est le choix de Thomas Tuchel. Hein. Amni Diaye. Ndar. Salut à vous, Amni Diaye, Ndar. Salut à vous. Allez, merci beaucoup à vous. Salut à vous. Donc aujourd'hui, si nous regardons. On va faire une petite analyse. On va faire une analyse pour voir un peu par rapport au 11 de départ. Si nous regardons quand même cette équipe de City, donc c'est la même équipe donc, qui a joué contre Southampton. Donc il y a un seul changement. C'est que Mahrez est resté sur le banc et c'est Bernardo Silva qui est titulaire. Donc si nous regardons, nous avons Ederson, Diaz, donc City joue en 3 défenseurs. Donc nous avons Ederson, Diaz, Ake, donc étant au niveau Ake. Donc en fait aujourd'hui, si nous regardons la défense de City, on sait que c'est une défense aujourd'hui qui est assez homogène, qui montre de très bonnes choses. Et aussi une défense solide, avec essence de très bons joueurs. Diaz, regarde, il est exceptionnel. Akendi aussi, il est exceptionnel. Akendi, la même chose. Donc à partir de là, aujourd'hui, on peut dire que Guardiola joue en 3 défenseurs, avec de très bons défenseurs quand même qui reviennent derrière. Ils n'ont pas donc des latéraux de métier, etc., comme nous avons avec Mendy à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est complètement différent. À partir de là aujourd'hui, tu regardes carrément cette équipe de City, c'est une équipe joueuse, une équipe qui pose donc la balle au sol, qui montre de très bonnes choses. À partir de là aujourd'hui, on attend beaucoup de choses à cette équipe avec la défense arrière défensive, donc que ce soit Diaz, Estonk, Akenji, Aki. Au niveau du milieu de terrain, nous avons Regri, De Bruyne, Gundogan, sans doute les 3 meilleurs milieux de terrain donc, au monde. Des très bons joueurs, on les a vus contre Liverpool, ils ont marché sur cette équipe. On les a vus contre Southampton, ils ont marché sur Southampton. À partir de là aujourd'hui, De Bruyne il fait partie des meilleurs joueurs au monde, Rodri il fait partie des meilleurs 6, Gundogan il fait partie des meilleurs 8, exceptionnel. Les trois rien à dire. Bernardo Silva il revient et récupère donc sa place de titulaire. Alan il marche sur l'eau. Grealis avec sa saison donc l'année dernière, lorsqu'il était là, ça allait être beaucoup plus compliqué quand même. Il n'avait pas réussi quand même. Son transfert était exceptionnel, son transfert était faramineux. Donc c'était un joueur acheté donc du côté d'Aston Villa 100 millions si je ne me trompe pas. Donc à partir de là, on attendait beaucoup de choses donc chez Grealis. La saison dernière, c'était compliqué donc quand même pour Grealis. Il a réussi quand même cette année, quand même quoi qu'on puisse dire. Il a réussi quand même à montrer des très bonnes choses. Il a réussi quand même aujourd'hui et en train de faire une très bonne saison quand même Grealis. Donc on l'a vu donc contre Liverpool. Il a marché donc sur la défense des Reds. Une très belle équipe. Une très belle équipe donc de City. Une équipe joueuse. Donc c'est
c'est le même 11 qu'Aline donc Guardiola presque en tout cas à l'absence de Mahrez donc préféré aujourd'hui donc par Bernardo Silva. Donc il n'y a pas assez de changements côté City. Il n'y a pas assez de changements. C'est l'équipe qu'on a l'habitude de voir jouer. C'est l'équipe que c'est les mêmes têtes qu'on a l'habitude donc de voir. Donc c'est les mêmes joueurs qu'on a l'habitude de voir jouer. Donc aujourd'hui il n'y a pas assez de changements donc du côté de Guardiola à l'absence de Mahrez. Donc Bernardo Silva est titulaire aujourd'hui. Donc c'est ça que nous avons du côté de City. Si nous regardons donc le 11 de Thomas Tuchel, on l'a vu, à l'absence non seulement de Nagelsmann, Nagelsmann a été viré, on sait donc pourquoi il a été viré, beaucoup de gens ont tiré, ils ont cité Sadio Mané, beaucoup de joueurs, donc notamment... pourquoi Nagelsmann a été viré. Donc à part de là, Nagelsmann limogé, remplacé par Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui revient, on a vu depuis qu'il est là, il a aligné presque donc la même équipe avec les mêmes hommes quand même. On l'a vu lorsque contre Dortmund, c'était ce mort qui était dans les bas, dans les buts. Upamecano était titulaire, De Ligt aussi était titulaire, Pavard était titulaire, Davis était titulaire, Kimmich était titulaire, Goretzka même si Musiala donc il avait préféré donc Müller à la place de Musiala. Coman titulaire, le roi Salé Choupo-Moting absent donc à cause de blessure. Donc à part de là aujourd'hui tu vois nettement que Thomas Tuchel il a déjà son 11 titulaire, son 11 donc type, contrairement à Nagelsmann qui avait l'habitude d'aligner cette même équipe donc à l'absence de le roi Salé qui n'était pas donc titulaire à son équipe, même si au début des Ligues des Champions il est le meilleur buteur donc du Bayern de Munich en Ligue des Champions, mais quand même le choix est vite fait et Thomas Tuchel a fait le choix aujourd'hui donc d'aligner ce 11 à l'absence de Sadio Mané. On attendait de voir Sadio Mané titulaire, malheureusement donc Mané va regarder le match donc sur le bord. On espère vraiment lorsqu'il sera donc sur la pelouse il va montrer de très bonnes choses. Sa saison est compliquée. Ouais, il a raté la Coupe du Monde, c'est frustrant pour lui. Il a raté donc son début de saison. C'était compliqué, même si il a juste donc revenu quand même à retrouver, à la marquer 6 buts en championnat. C'était compliqué avec ses débuts avec le Bayern de Munich. Après, il a réussi quand même à revenir à son meilleur niveau. Et après, il a raté la Coupe du Monde. C'est compliqué. Ça, mentalement, ça reste dans sa tête. Il a réussi quand même à oublier ça. La blessure, c'est compliqué. Il revient dans une équipe qui marche avec surtout les côtés devant. Tu sais, Sadio Mané devant, ça ne marche pas. Mais les côtés avec Coman, avec le roi Sané, ça marche. Tu vois nettement que ces joueurs, ce sont les deux titulaires donc sur les côtés. Donc c'est à lui aujourd'hui. Il sait que sa situation est assez compliquée. Mais pour moi, ce qui me gêne un peu, c'est des fois tu regardes Mané sur la pelouse, il est gênant. Et en tête aujourd'hui, Mané se fâche pour rien. Il est en colère pour rien. Et pour moi, ça lui handicape. Pour moi, ça, il ne marque pas. Cette manque de confiance va s'installer. Et ça va lui poser beaucoup de préjudice. Donc c'est à lui aujourd'hui. Il sait que la saison va terminer. Il va aider son équipe forcément. On l'a vu contre Fribourg la dernière fois en championnat. Il avait les jambes. Il a montré des très bonnes choses contrairement à ses dernières prestations. C'est à lui de rester zen, ça va venir, ça demande du temps, ça va venir, on est là, on va vous épauler mon ami, allez, crois en toi, ça va venir. Allez, salut à vous, Baye Salou Gay, allez, Sœur Silla, salut à vous, Sœur, et j'espère que vous allez bien. Pourquoi Mané n'est pas titulaire? Ah, c'est le choix du coach, ça, c'est le choix du coach. Ali Badara, non, moi, Ndogo. Et les gars, il est 18h36. Ah, même pas 19h. Allez, bon dogo à vous. Hein. Bon dogo à vous. Hein. Il y aura du suspense et du football comme ça. Ce match c'est une finale. Hein. Ouais, ce match pourrait être une finale. Comme on le dit, Man City Bayern de Munich, les gars. Ce match pourrait être une finale. Ouais. Lamine Cham. Ouais. Salut à vous, Lamine.
Donc si nous regardons, tout à l'heure j'ai fait donc le parcours. Allez, je vais parler donc du parcours du Bayern Munich pour montrer un peu par rapport à cette équipe de Bayern Munich. Est-ce que le Bayern ces 5 dernières années ou ces 6 dernières années, est-ce que le Bayern Munich et le Bayern que nous connaissons dans les années 1988-89? Allez, on va voir. On va voir le Bayern donc en Ligue des Champions. On va commencer par la saison 2012-2011-2012. Allez, on va commencer la saison 2011-2012 où le Bayern était finaliste contre Chelsea. Malheureusement, on se rappelle bien, les gars. J'aimerais vraiment parler donc de cette finale. On se rappelle bien de cette finale Bayern Munich-Chelsea. Vous rappelez bien, avec la tête de Didier Drogba. Ça a été exceptionnel. La tête de Drogba, donc Chelsea qui avait remporté sa toute première Ligue des Champions en 2012 grâce à Drogba. Donc à partir de là, donc, les Bayern 2011-2012, ils ont réussi quand même à jouer une finale donc de Ligue des Champions. Malheureusement, battu par Chelsea à la séance de tir au but, 4-3 après un match nul, un but partout. Donc on monte, 2012-2013, Bayern aussi finaliste. 2011-2012, le Bayern est finaliste, battu par Chelsea. 2012-2013, le Bayern est finaliste aussi, battu. Donc le 2012-2013, le Bayern a gagné la Ligue des Champions, autant pour moi. Et le Bayern a battu donc le Borussia Dortmund. Oui, c'est ça. Ils ont battu le Borussia Dortmund en finale, 2-1. Donc c'est ça. Ils ont perdu une finale en 2012 et ils ont gagné une finale en 2013 contre le Borussia Dortmund. On se rappelle bien avec Robben qui était là à l'époque, avec les Ribéry. Ça montre carrément que cette équipe de Bayern a fait un parcours exceptionnel. 2012, ils ont perdu une finale contre Chelsea. 2013, ils ont gagné donc une finale contre Dortmund. Allez, on remonte. 2013-2014. Malheureusement, ils ont été éliminés par le Real Madrid en demi-finale. Après avoir battu donc à l'aller 4-5-0 au match retour. Donc 2014-2015, demi-finale aussi pour vous montrer quand même le Bayern c'est une grande équipe pour montrer carrément que le Bayern aussi c'est une équipe qui a l'habitude donc de jouer les dernières carrés. Donc à partir de là aujourd'hui ils ont joué une demi-finale en 2013-2014, une demi-finale aussi en 2015, donc contre le Barça, malheureusement éliminé par le Barça. En 2015-2016, on remonte. Demi-finale aussi. Cette équipe est exceptionnelle. Cette équipe est exceptionnelle, les gars. J'ai dit tout à l'heure, ils ont été finalistes en 2012, battus par Chelsea. 2013, finalistes contre le Borussia Dortmund. Ils ont gagné la finale. Ils ont gagné cette Ligue des Champions. 2014, demi-finaliste, battu par le Real Madrid. 2015, demi-finaliste, battu par le Barça. 2016, demi-finaliste, battu par l'Atlético de Madrid. 2017, les gars, 2017, quart de finale, battu par le Real Madrid. 2018, demi-finaliste, battu par le Real Madrid. 2019, huitième de finale, éliminé par Liverpool. 2020, demi-finaliste la dernière fois, contre le Paris Saint-Germain, et ils ont gagné cette finale. 2020, on s'appelle, c'était en Covid. Donc, ils ont gagné le Paris Saint-Germain en 2020. 2021, les amis, la dernière fois, ils ont été quart de finaliste, éliminés par le Paris Saint-Germain. Et 2022, la dernière fois, on se rappelle, éliminé par le Villarreal en quart de finale. Donc c'est ça, le parcours un peu de l'équipe du Bayern de Munich. C'est une très belle équipe qui a l'habitude donc de jouer les quarts, de jouer donc les derniers carrés. Donc en 2011, jusqu'à maintenant, ils ont réussi quand même à jouer deux finales. Ils ont gagné donc une finale donc contre le. Ils ont gagné deux finales. Ils ont gagné 2013 une finale contre le Borussia Dortmund. Et la dernière donc c'est contre le Paris Saint-Germain en finale. Ça montre carrément que le Bayern a l'habitude donc de jouer donc les phases à élimination directe. Donc c'est une très belle équipe qui est habituée donc de jouer ses dernières carrés. Donc Man City, de l'autre côté, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont joué donc la dernière fois, donc en 2020. Ils ont joué en 2020, donc en 2021, une finale. Donc contre notamment. Donc
en 2021 à Zenit tout à l'heure, ils ont réussi quand même à jouer une finale. Donc contre Chelsea, malheureusement perdu. Donc en 2022, éliminé par le Real Madrid, donc en demi-finale. Ali Badra, salut à vous et merci beaucoup. Amadou Gassama, allez, bon dogo à vous. Hein. Allez, l'ami, tiens, bon dogo à vous. Bon dogo à vous, l'ami. Et les gars, maintenant, comment ça va? Comment ça va? Non, sur le côté droit, c'est Pavard. Ouais, Pavard qui va se mettre sur le côté. Allez, salut à vous, Mr. Star. Salut à vous. Allez, les gars, quel est votre prono pour ce match? Allez. Allez, les gars, quel est votre prono? Allez, on va faire un petit sondage. Allez, les amis, si vous supportez Man City, mettez 1. Si vous supportez Bayern Munich, mettez 2. Allez, on va faire un petit sondage avant le coup d'envoi de ce match. Allez, 18h43. Allez, on va faire un petit sondage. Allez, les amis, si vous supportez Man City, mettez 1 sur le chat. Si vous supportez le Bayern Munich, mettez 2. On va voir de près. Est-ce que vraiment vous êtes chaud? Allez. Allez les amis, je vous attends. Allez, je vois des 1, des 2. Allez, 2 pour Vito. Allez, 16 ans pour 2. Et les gars, vous êtes nombreux à supporter le Bayern. Vous êtes nombreux à supporter le Bayern. Allez, je vois des vœux. Donc 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Allez les gars, je vous montre rapidement le tableau. Le tableau est les gars, pour montrer carrément. Vous voyez qui se qualifie les amis. Vous voyez qui se qualifie. Allez, on va commencer d'abord par Man City Bayern Munich. Il y aura un match retour. Mais les gars, on va voir. Vous voyez qui. Vous voyez. Je sais que le Real va se qualifier. Les gars, je sais que le Real va jouer une demi-finale. Je sais. Je sais que le Real va jouer une demi-finale. Je sais que le Real va jouer une demi-finale. Je sais que le Real va se qualifier. Mais les gars, vous voyez qui entre City et Bayern? Allez, je vois des 1-1. Donc il y a forcément que les ors, ils ont envie de voir ce jeu. Je sais que le Real va se qualifier. Hein. Ça, c'est le CA. Je sais que le Real va se qualifier. Donc Real, Chelsea, je sais que le Real va se qualifier. Donc Man City, Bayern, Munich, les amis. Je vous laisse donner votre pronostic. Man City Bayern, avant qu'on. Allez les amis, donnez votre pronostic avant qu'on sera donc du côté de Etihad Stadium. Victoire 3-1 pour City. Quel City est qualifié, on va voir. Le Red Bull, meilleure équipe du monde, tout le monde, ouais. Ouais, le Real est sûr, hein. Le Real est sûr, hein. Nous, on est, ouais, nous, on est calme, hein. Nous, on est calme, nous, on est sûr des. On sait qu'on va se qualifier, on sait qu'on va se qualifier. Ça, on sait. Ça, c'est sûr, on sait qu'on va se qualifier. On sait qu'on va se qualifier. On sait qu'on va se qualifier. J'ai mis 100 euros sur, 100 dollars sur le Bayern. J'espère qu'il va gagner. Ah, c'est pas. Je sais pas s'il va gagner ou pas. Allez, on sera du côté des Etihad Stadium. Allez, pour vivre ces moments exceptionnels. Ces moments que nous vivrons sans doute. Allez, la dernière fois, les gars, on a vu un match exceptionnel entre Arsenal et Liverpool. Où nous avons vécu un match de haute intensité. Un match qui nous permettait non seulement de voir qu'aujourd'hui, que la Première Ligue
et le meilleur championnat au monde. Aujourd'hui, nous allons commenter la meilleure des compétitions, la Ligue des Champions, oui, la compétition mère. On va commenter ça, les amis, pour voir un peu par rapport à ça, le Bayern de Munich, Man City, deux équipes avec des objectifs, les mêmes objectifs, remporter la Ligue des Champions. Et il va falloir non seulement passer d'abord par cette masse aller du côté des terres des stadiums qui va vibrer d'un moment à l'autre. Et nous, on est prêts, on voit déjà les 22 acteurs qui sont en train de s'essouffler. Ça va être la dinguerie. On est prêt, et l'Irlande est prêt. Sadio Mané, même si aujourd'hui il va jouer ce match sur le banc, on est prêt aujourd'hui, les amis, pour commenter ce match. J'espère que vous aussi, après avoir pris Vondogu, après avoir pris un bon Thierry, après ça, vous pouvez maintenant, les amis, regarder ce match devant votre télé. Et moi, je vais tout donner aujourd'hui, comme la dernière fois, comme d'habitude, de commenter ce match. Ça va être la dinguerie. Ça va être la dinguerie, les amis. Ça va chauffer tout à l'heure. Ça va chauffer tout à l'heure. Ça va être exceptionnel. On est là, c'est la Ligue des Champions. C'est la plus belle des compétitions. Et si on commente ces matchs, même si j'aimerais voir Mané, si Mané était sur la pelouse, ça allait être beaucoup plus exceptionnel. Mais malheureusement, mais quand même, on va tout faire. Allez, les amis, moins de 10 minutes avant le coup d'envoi, moins de 10 minutes avant le soc, moins de 10 minutes avant City Bayard, la match aller avant le 19, le match retour du côté de l'Allianz Arena. D'abord, on va voir entre City, Guardiola avec son ancienne équipe, le Bayern de Munich, pour voir du côté des théâtres stadium. Est-ce que Guardiola a vraiment les atouts cette année pour aller cercer cette Ligue des Champions? Et le Bayern aussi, après avoir remporté cette compétition en 2020, le Bayern revient. Et pourquoi pas remporter encore une fois cette nouvelle Ligue des Champions. On attend. Le football comme on l'aime. Comme on l'aime, ouais. Le football comme on l'aime, avec beaucoup d'intensité. Avec ce beau football. Avec de très bons joueurs aujourd'hui. L'intensité, les gars. La Ligue des Champions, c'est d'abord, les gars, cette intensité, c'est d'abord cet amour que tu ressens à travers cette compétition. Et cette compétition, elle est unie. Vraiment, cette compétition, les gars, elle est unie. Vous-même, vous qui regardez ces matchs en bas de votre télévision, des fois, vous vous laissez dessiner, les gars. Des fois, vous n'arrivez même pas à vous contrôler parce que vous avez envie de regarder. Certains qui aimeraient devenir des joueurs professionnels, le seul rêve, c'est de jouer une Ligue des Champions, ouais. Le seul rêve, c'est de jouer une Ligue des Champions, les gars. Ouais. Cette compétition, elle est unique. Hein. Allez, gars, je récupère mon dogo et je reviens. Allez, moi, 10 minutes, je récupère mon dogo et je reviens. Allez, je récupère mon dogo. Et je reviens. On va qu'elle nous soumise, n'est-ce pas? On va qu'elle nous soumise. On va qu'elle nous soumise. On va récupérer un dogo, n'est-ce pas? Merci. Allez, c'est bon! Allez, c'est bon, les amis. Le football comme on l'aime. Allez, moins de 9 minutes avant le soc. Allez, les gars, on like. Allez, on continue à liker, les amis. Allez, on sera tout à l'heure, donc, du côté des théâtres.
Allez, Delosière, Bagar. Cancelo sur le banc. Lolou, Diadou. Non, quand même, attention aujourd'hui. Si on regarde aujourd'hui, les gars, par rapport à Cancelo. Cancelo, les gars. Pour moi, Cancelo, il ne devait pas venir du côté du Bayern de Munich. Vous allez me demander pourquoi. Parce que Cancelo, il a une question aujourd'hui. Cancelo, depuis qu'il est là, les gars, il n'arrive pas à convaincre. Cancelo n'arrive pas à convaincre. Nagelsmann lui a donné sa chance. Il n'a pas saisi. Et aujourd'hui, donc, on l'a vu la dernière fois, donc sa dernière prestation, ça n'a été pas abouti. Donc aujourd'hui, pour moi, Cancelo, c'était un flop. C'était un flop, Cancelo. Pourtant, c'était un bon joueur. C'était un excellent joueur. On l'a vu du côté donc, de City. Il a montré des très bonnes choses. Il a été exceptionnel. Mais quand même, ils sont venus du côté du Bayern de Munich, les amis. Et qui sait, sur le côté droit, il y a Pavard. La concurrence, elle est rude. Il y a Pavard sur le côté droit. Il y a aussi Etanichik sur le côté droit. Il y a donc Masraoui sur le côté droit. Donc, à part de là, les gars, la concurrence, je ne sais pas pourquoi Cancelo a décidé de venir du côté de City. Je ne sais pas. Il devait prendre un autre choix et du côté du Bayern de Munich. Mais quand même, les gars, tous les gars, la concurrence, elle est rude sur le côté droit. Il y a Pavard qui est capable donc de jouer dans l'axe aussi. Il y a Masraoui qui a été exceptionnel avec sur l'air de Nagelsmann. Donc aujourd'hui, ça a été compliqué. Il a été blessé, donc il revient de blessure, donc Masraoui. Il y a Estanisic aussi. Et aussi, tu peux mettre Cancelo encore. Les quatre qui vont discuter, donc... Ce couloir droit. Donc, à part de là, les gars, pour moi, Cancelo, c'est un bon joueur quand même. Mais le soir, il va falloir qu'il regarde ça. Donc aujourd'hui, on regarde Blin. Blin aussi, il n'arrive pas à jouer donc, depuis qu'il est là. Donc à son du côté du Bayern de Munich, Dani Blin, il n'arrive pas à jouer. Même si aujourd'hui, il est sur le banc. Donc ça montre carrément que la concurrence est rude du côté du Bayern de Munich. Je veux Bayern de Real Madrid demi-finale ou finale. Non, pas de finale, mais demi-finale. Demi-finale, c'est possible, mais finale, c'est pas possible. Demi-finale, on peut avoir demi-finale Real League, mais demi-finale. Je vous montre, parce que je pense que vous n'avez pas vu. Allez, je vous montre. C'est ça que nous pouvons avoir. C'est ça que nous pouvons avoir. Hein. Nous pouvons avoir, donc, le vainqueur du match City-Bayern Munich. Va rencontrer donc le vainqueur du match Real Chelsea. Donc AS Milan Naples, le vainqueur donc va recevoir Benfica Inter. Donc c'est ça. C'est ça le tableau donc, le tableau. Ndiaye Tep, salut depuis Espagne, salut à vous. Salut à vous Ndiaye. Salut à vous. Et les gars, on cherche les 100 likes. Je compte sur vous. Allez les amis! Est-ce que le son du stade est bon? J'augmente un peu ou c'est bon? On va se rendre tout à l'heure du côté du Etihad Stadium. Allez, pour vivre ce soc. Allez, c'est bon. Ah là 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 là, on y est. Aïe, 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 le football comme on l'aime. Le football. Merci les gars à tous ceux qui s'abonnent. Merci les amis à tous ceux qui s'abonnent. Le football comme on l'aime. Allez, c'est ça. Allez, les 22 acteurs sont... Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Ça va être la dinguerie. Ça y est, on y est. Etihad Stadium est en train de centrer. Etihad Stadium est en train de vibrer. On y est, chers amis. On y est, chers amis, pour cette très belle affiche entre le Bayern de Munich et Man City. Oui, ça pouvait être une finale de Ligue des Champions. Mais d'abord, la masse allée de ces quarts de finale. City reçoit le Bayern de Munich avant le match retour. Allez, la rentrée des 22 acteurs. On y est, chers amis. On y est. Allez, place au match maintenant. Allez, c'est bon! La rentrée des 22 acteurs!
sur la pelouse d'Etihad Stadium. Plein à craquer. Les supporters sont debout. Ils sont en train donc de booster cette équipe de Man City. Man City habillé en rouge bleu. Et Bayern de Munich habillé en rouge. Etihad Stadium plein à craquer. On y est, chers amis. On y est pour ce soc. On y est pour cette première quart de finale. Man City, Bayern de Munich. Ça va être exceptionnel. Allez, merci beaucoup à Moustapha. Allez, on y est. Allez, elle peut retentir. Elle peut retentir l'hymne de la Ligue des Champions. Allez, on y est. Vraiment, 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 on est. J'avais hâte. Namona Ligue des Champions. Allez, on y est. Vraiment, on y est, chers amis. Ça va être la dingue. Quel beau stade. Allez, le meilleur buteur de la compétition, Alan, avec ses 10 réalisations, concentré, lui aussi. Allez, on est prêt. On va montrer tout à l'heure, donc rapidement, les compos, avec la composition de Man City, avec Ederson dans les buts, la défense. Nous avons Diaz, Essence, Akinji. Il y a quoi là? C'est pas bon. Allez, c'est bon. Allez, donc, Dodi, Debray, Gendegan, Bernardo Silva, Alan, Grilis, c'est ça, l'11 aligné par Guardiola. Allez, du côté donc du Bayern de Munich, l'11 aligné par Thomas Tuchel. Nous avons Sommer, Upamecano, De Ligt, Pavard, Davis, Kimmich, Goretzka, Musiala, Sané, Gnabry et Kingsley Coman. On y est, chers amis. Et ça demande sur le banc. Allez, on est prêt. Allez, désolé à tout le monde. Merci encore Moustapha pour ton don. Merci à tout le monde et bienvenue, chers amis. Installez-vous confortablement. Allez, on like. On y est pour ce match. Man City, Bayern de Munich. Le match tant attendu. Etihad Stadium est prêt. On est prêt pour commenter ce match. Allez, vive le football. Vive la Ligue des Champions. Allez, on y est. Allez, la concentration, elle est maximale. Elle est maximale des deux côtés. Cette concentration, elle est maximale des deux côtés. La plus belle compétition fait son retour. Les quarts de finale. Et nous allons commencer par cette très belle affiche. Man City Bayern de Munich. Et le coup d'envoi va être donné. Allez, aidez à vous. Allez, c'est parti les amis. C'est parti pour ce soc. Man City Bayern de Munich. On y est, vous êtes tous à attendre ce match. Allez, on y est. Allez, voilà, récupéré par les Bavarois. Avec Upamecano. Allez, la passe d'Upamecano. Attention, l'accélération de Leroy Sané. Et ballon dégagé par Kenji devant. Ça revient encore. Et la tête de Rodri, ça revient. Dégagé en catastrophe par Gundogan. Allez, dans le milieu de terrain avec Upamecano. Le deal avec Alan. Ballon récupéré par Grilis. Attention, Grilis qui récupère le ballon. Ballon pour le pressé, récupéré par Kimmich. Attention, la couverture de Pavard. Allez, Grilis, attention, Kimmich facilement. Grilis, attention, l'accélération de Grilis. Et à la solution avec De Bruyne. Il décale bien De Bruyne. Le retour de Leroy Sané. Attention, c'est pas fini. De Bruyne toujours. Leroy Sané. Et ballon dégagé par Davis. Attention, ça revient. Le centre vers Gundogan. Allez, dans la surface, Gundogan. Allez, Gundogan tranquillement. Allez, pour décaler avec Ake. Attention, la passe d'Ake pour décaler avec Gundogan. Allez, ça commence vraiment. Ce match commence sur des tapots de roue. Rapidement. Allez, ballon récupéré par Diaz. Allez, Diaz qui décale avec Gundogan. Allez, Gundogan pour jouer derrière. Pour décaler avec Rodri. Allez, la passe de Rodri pour jouer derrière. Pour décaler vers Diaz. Allez, Diaz Mariano Diaz pour décaler sur le côté. Bon, récupérer tranquillement avec Akinji. La passe d'Akinji qui décale vers Bernardo Silva. Attention, Bernardo Silva qui tape le bout du pont. Bon, récupérer par Davis. Attention, l'accélération de Davis. Davis toujours. Allez, il décale vers Gnabry. Attention, Gnabry qui accélère. Il y a des solutions avec le roi Sané. Gnabry toujours. Attention. Et la couverture. Ballon dégagé. Allez, salement fort, ballon. Ballon récupéré par Moussiala. Allez, Moussiala pour Davis.
Allez, David Kizou derrière. Allez, qui décale avec De Ligt. Allez, De Ligt tranquillement. La pointe de De Ligt. Allez, qui décale vers Upamecano. Allez, Upamecano qui décale vers Pavard. La pointe de Pavard vers Coman. Attention, l'accélération de Coman. Allez, Coman qui joue derrière pour décaler vers Kimmich. Allez, Kimmich qui décale sur le côté droit vers Pavard. Attention, la pointe devant, il le voit avec l'accélération de Coman. Allez, Coman prêté de préparer. Coman toujours. Allez, Coman qui va aller devant. Attention, l'accélération de Coman. Le centre. Et voilà, contrer. Et dégagé devant. Et match, quel match. Et le ballon récupéré par Upamecano. Allez, Upamecano qui récupère quand même ce ballon. Allez, il tente le lob. À la couverture de Hake. Allez, ballon dégagé devant par Hake. Et ça sort à tous. Ouais, ça souffle déjà. Ça souffle déjà. Et ça commence déjà. Allez, ballon récupéré par Davis. Allez, Davis qui joue derrière. Allez, il peut décaler avec De Ligt. Allez, De Ligt qui renverse complètement les deux sur le côté gauche. Allez, pour certer le roi Sané. Et ballon. Et la couverture d'Akendi. Et ce ballon sort à tous. Quel match. Et ça démarre, ça commence déjà, les gars. Allez, les stats sur les chapeaux de roi. La Ligue des Champions, comme on l'aime. Le football, comme on l'aime, avec. Allez, là, tout devant. Allez, Alan, attention, Alan. Alan qui joue derrière pour décaler vers Bernardo Silva. Ballon perdu. Allez, récupéré par. Gnabry perdu, récupéré par Rodri. Allez, Rodri qui peut décaler sur le côté tranquillement. Avec Hake, la porte Hake devant. Via Grealish. Allez, le contrôle de Grealish pressé de près par Pavard. Il peut jouer derrière pour décaler sur le côté. Avec le contrôle de Gundogan. Allez, Gundogan qui joue derrière pour décaler derrière avec Essence. Allez, Essence pour Akendi. Attention, le pressé de Leroy Sané. Attention, Akendi toujours. La sortie devant. Aïe, ils ne se sont pas compris. Mais ils s'en sortent quand même. Ballon récupéré par Hake. Hake pour décaler vers Gundogan. Allez, Gundogan pour jouer derrière tranquillement. Allez, ballon récupéré sur le côté droit. Allez, il peut avancer avec Ederson. Quel match. Ça démarre déjà. Oh, le football, comment on est. Allez, élevez les stats rapidement, les stats. Et Fallou, ça fait longtemps. Salut à vous, Fallou. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Allez, la passe devant. Attention, la protection de balle. Va récupérer tranquillement, attention, avec Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière pour décaler avec Rodri. Allez, Rodri qui joue derrière tranquillement. Et ça, la porte avance côté Citizen. Allez, va récupérer avec Akendi. Attention, la porte Akendi devant. L'accélération, Bernardo Silva. Attention, sur le contrôle, ça va. Le retour de Davis. Allez, Bernardo Silva qui garde quand même ce ballon. Allez, Bernardo qui va aller donc défier Davis. Allez, Bernardo qui joue derrière pour décaler avec le contrôle de Gundogan. Allez, Gundogan pour décaler avec Essence. Allez, Essence pour décaler avec Rodri. Allez, exceptionnel ce jour. Exceptionnel. Allez, Rodri qui l'inverse complètement le deux sur le côté. Allez, le contrôle. Tranquille, de Grealish. Allez, Grealish pour décaler vers De Bruyne. Allez, De Bruyne qui joue derrière pour décaler avec Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière pour décaler avec Hake. Allez, Hake toujours, la passe Hake devant. La déviation de Grealish. Attention, le pressing de Musiala. Musiala toujours. Et ballon perdu, récupéré par De Bruyne. Attention, la passe de Bruyne vers Alan. Le contrôle d'Alan. Attention, il va frapper. La frappe. Et la frappe de Bruyne. Et ce premier tir d'Alan qui passe au-dessous. Oh. Et le premier tir du match, la combinaison de Bruyne pour trouver Alan. Et la frappe d'Alan qui passe dessus. Allez, ballon récupéré par Rodri. Allez, Rodri qui décale vers Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva qui joue derrière pour décaler avec Akendi. La passe d'Akendi tranquillement derrière. Allez, pour décaler vers Diaz. Allez, la passe de Diaz pour décaler vers Rodri. Allez, Rodri dans le milieu de terrain. Allez, pour décaler vers Eton tranquillement. Eton pour décaler vers Diaz. La passe de Diaz derrière, tranquille. Allez, va récupérer par Akendi. Akendi poursuit derrière, tranquillement. Allez, Diaz pressé par Gnabry. Allez, il poursuit derrière, poursuit avec son gardien, avec Ederson. Allez, Ederson qui décale sur le côté droit tranquillement. Allez, ballon récupéré par Diaz. Allez, Diaz toujours tranquillement qui va essayer d'allonger. Allez, la passe devant pour CRC. Attention, la déviation de Gundogan. Ballon récupéré par Upamecano. Allez, Upamecano qui décale sur le côté droit avec Coman. Allez, Coman qui joue avec Upamecano. Allez, Upamecano qui joue derrière tranquillement pour décaler avec son gardien Sommer. Allez, Sommer qui décale vers De Ligt. Allez, De Ligt toujours pressé par deux joueurs. Allez, il décale sur le côté gauche avec le contrôle de Davis. Allez, Davis qui avance. 1, 2, 3. Allez, il garde quand même ce ballon le Canadien. Allez, il joue derrière tranquillement. Allez, ballon récupéré par De Ligt. Allez, De Ligt pour Upamecano. La passe de Upamecano. Attention, c'est magnifique. Ballon récupéré dans le milieu de terrain. Attention, la passe de Varane Gnabry pour Cesse Musiala. Et ballon récupéré par Diaz. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal cette action. Allez, ballon récupéré par Diaz qui décale avec Essence. Allez, Essence vers Akendi. Allez, Akendi le pressing de Leroy Sané.
Allez, Akendi qui joue derrière tranquillement. Allez, le peu décalé sur le côté. Ballon récupéré par son gardien avec Ederson. Allez, Ederson qui décale tranquillement. Ballon récupéré par Rodri. Allez, Rodri qui décale avec Gaz. Allez, Gaz qui avance. Allez, rapidement, ballon récupéré avec Gundogan. Allez, Gundogan qui décale avec Rodri dans le milieu de terre. Attention, avec le pressing notamment de Goretzka. Il s'en sort, il décale vers Akendi. Allez, Akendi qui décale vers Bernardo Silva. Allez, le contrôle de Bernardo Silva. Attention, accélération du Portugais. Bernardo Silva pour aller défier donc Davis. Le retour du Canada. Bernardo Silva qui décale avec De Bruyne. Le centre et la tête. Et la tête de Gundogan. Et cette tête qui passe dessous. Et c'était démarre bien ce match. Le centre encore une fois de Bruyne et la tête de Gundogan qui passe dessus. C'est pas mal, quelle action des citizens. Allez, on va récupérer tout doux avec les citizens qui font tourner. Allez, la passe derrière tranquillement. Allez, on va récupérer par Akindi. Allez, Akindi qui récupère quand même ce ballon. Allez, bon, City démarre bien ce match. Les 7 premières minutes sont dominées par City. Allez, ballon récupéré par Diaz. La passe de Diaz devant. Avec la déviation de Gundogan. Ballon perdu. Récupéré par les Bavarois. Notamment avec le Roi Sané dans le milieu de terrain. Attention à l'accélération de l'Allemand. Le Roi Sané qui accélère tout. Il y a des solutions à droite. Allez, il décale à droite avec Coman. Allez, Coman qui joue derrière pour décaler vers le Roi Sané. Et la passe de le Roi Sané derrière. Vers Kimmich. Allez, Kimmich pour Goretzka. Allez, Goretzka derrière pour De Ligt. Allez, De Ligt vers Upamecano. Allez, Upamecano qui avance. Upamecano sur le pressing de Alan. Allez, il joue derrière pour décaler vers De Ligt. Allez, De Ligt qui va se mettre derrière. Allez, pour décaler avec son gardien Sommer. Allez, Sommer tranquillement. Allez, Sommer qui décale sur le côté. Et les gars, il reste deux personnes pour les deux sans live. Allez, Sommer qui décale avec De Ligt. Allez, De Ligt qui joue derrière pour décaler avec Sommer. Allez, Sommer qui renverse les deux sur le côté droit. Avec le contrôle du français Pavard. Allez, Pavard vers Kimmich. Allez, le contrôle de Kimmich sur jouer derrière. Allez, vers Upamecano. Allez, Upamecano qui avance, il gagne du terrain. Allez, la passe Upamecano pour décaler vers Goretzka. Allez, l'appel de Davis sur le côté gauche. Allez, Goretzka qui décale vers le Roi Sané. Allez, le Roi Sané toujours pressé par deux joueurs. Il décale vers Davis. Allez, le contrôle du Canadien tranquillement. Allez, Davis toujours. Allez, Davis vers le Roi Sané. Le Roi Sané face à attention, le petit pont sur Rodri. On récupère par attention avec Bernardo Silva. Bernardo Silva qui accélère, attention, 1-2-3. Et le retour de Kimmich. Et sur le ballon, ballon récupéré par Sommer. Allez, Sommer qui décale vers De Ligt. Allez, De Ligt qui avance. Allez, la faute sur Moussiala et Koufra. Allez, les gars, il reste une personne pour les dessins à l'aïe, les gars. Il reste une personne. Je t'envoie ta gueule. Allez, ballon récupéré par les Bavarois avec Upamecano. Allez, Upamecano qui avance. Allez, Upamecano toujours pressé par Alan. Allez, il décale avec De Ligt. Allez, De Ligt, la passe sur le côté gauche. Avec le contrôle de Davis tranquillement. Allez, Davis toujours. Allez, la passe de Davis derrière. Vers De Ligt. Allez, De Ligt vers Upamecano. Allez, sur le pressing d'Alan. Attention. Et la passe derrière d'Upamecano vers Sommer. Allez, le gardien suisse qui garde quand même ce ballon tranquillement. Allez, il va essayer de chercher sur le côté gauche. Il le voit avec le contrôle magnifique de Pavard. La passe de Pavard devant vers Gnabry. Allez, le contrôle de l'Allemand. Allez, Gnabry qui décale sur le côté gauche, sur le côté droit avec Coman. Allez, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Allez, la passe de Coman derrière tranquille. Ballon récupéré par avec Kimmich. Attention, la passe devant pour trouver Gnabry. La deviation de Coman. Le contrôle, attention. Le retour de Rodri. C'est pas fini. Ballon récupéré par Moussiala avec Kimmich. Kimmich qui décale avec Davis. Peut-être la frappe. Davis, la frappe. Et complètement dévissé. Et cette frappe de Davis. Et qui passe à côté. C'est pas mal ce tir de Davis. Et cette première ligne. Le premier tir des Bavarois. C'est pas mal. Et Mendiop, salut à vous. Salut à vous, Modou Dier, salut à vous. Salam. Achaba, je vais tout te rappeler. Ouais. Je m'en souviens. Allez, ballon récupéré par les citizens derrière. Avec Diaz. Allez, la pointe de Diaz pour décaler sur le coin avec son gardien Ederson. Allez, Ederson vers Akendi. Allez, Akendi toujours. Allez, Akendi pour jouer derrière, tranquillement, avec son gardien Ederson. Allez, Ederson vers Diaz.
Allez, le pressing de Niapri, de Mousquiela. Allez, la passe de Rodri. Rodri qui joue derrière pour décaler vers Ederson. Ederson pour Akendi. La passe d'Akendi devant, attention, pour le contrer par Kimis. Et ça sera tout ça. Et ça sera tout ça. Attention, on va récupérer par Gnabry. Et là, on perd, on récupère par les citizens, notamment avec la passe devant. Attention à la déviation sur le côté tranquillement. Allez, on va récupérer sur le côté derrière. Pour les citizens. Allez, la part dans le perdu récupéré. Attention sur le côté, bien dit, la ligne qui fonctionne. Attention dans le milieu de terrain. Pour le perdu récupéré par les citizens avec Estons. Allez, la part descend derrière tranquillement. Allez, voilà récupéré par Aké. Allez, Aké qui avance. Allez, Aké toujours. Attention, la passe devant, la protection de balle de Pavard. Allez, Pavard vers Upamecano. Upamecano pour décaler vers Sommer. Allez, Sommer qui dégage devant. Allez, ballon perdu récupéré par les citizens derrière. Avec Rodri. Allez, Rodri qui décale vers Estons. Allez, Estons pressé par Mousiela. Allez, Estons qui décale sur le côté avec Gaz. Allez, Gaz qui avance. Allez, Gaz qui avance toujours. Allez, il y a des solutions devant. Il peut décaler sur le côté avec l'appel sur le côté gauche. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a beaucoup d'intensité. Hein. Allez, ballon pour Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva, attention face à Davis. Le centre de Bernardo Silva. Attention, c'est pas fini. Et voilà, dégagé par la défense. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va récupérer sur le côté gauche. Il tente le petit pont. Le roi Sané. Et voilà, on continue à récupérer par Bernardo Silva. Allez, il récupère quand même ce ballon tranquillement. C'est vraiment bon. Ouais, Matt, on attend l'entrée de Mané. Hein. On attend l'entrée de Mané. On attend l'entrée de Mané. Et salut à vous. Et la faute d'Upamecano et l'arbitre donc. Merci les gars, merci à tous ceux qui t'abonnent. Merci beaucoup les gars pour vos lives. Merci à tous ceux qui t'abonnent les gars. Et merci. Allez, on va récupérer sur le côté. Allez, la passe devant, attention pour le contre, et ça sera tout. Et ça sera tout. Allez, la touche devant, attention vers Alan, la protection de balle, Alan, attention. Le retour, ballon dégagé par Kimi, attention le tacle. Et la faute de Grilly sur Coman et Koufra. La faute de Grilly sur Coman et Koufra. Allez, ballon dégagé en catastrophe devant. Attention à la déviation, on l'a perdu. Ils ont vraiment du mal, hein, les Bavarois. Ils ont vraiment du mal. Une entente de match assez compliquée quand même. Allez, ballon récupéré par les citizens. Dans le milieu de terrain avec Rodri. Attention, il a fait. La faute de Gnabry et Koufran. Allez, rapidement. Ballon récupéré sur le côté. Attention à la passe devant. Attention à la déviation de Grilit. Allez, Grilit qui peut décaler, ballon perdu, récupéré dans le milieu de terrain avec Mousiela. Attention, Mousiela qui a créé toujours la passe vers le roi Sané. La déviation de le roi Sané vers Goretzka. Allez, Goretzka pour Mousiela. Et le retour de le roi Sané. Attention avec Davis. Et le tacle de Akinji. Et l'arbitre qui siffle coup franc. Allez, rapidement, ballon récupéré par les Bavarois avec Delirt. Allez, délivre pour Upamecano. Allez, Upamecano peut essayer de faire par Alan. Allez, il décale sur le côté vers Pavard. Allez, Pavard pour Upamecano. Upamecano pour Delirte. Allez, Delirte qui avance en passe devant. La déviation derrière de Goretzka. Allez, Goretzka pour Upamecano. Allez, Upamecano toujours. Allez, la passe d'Upamecano devant. Attention, l'accélération notamment de Kylian.
Allez, Upamecano qui décale sur le côté tranquillement. Attention, ballon récupéré par Gnabry. Allez, il décroche Gnabry poursuivi avec Kimmich. Allez, le contrôle de l'Allemand tranquillement. Allez, Kimmich qui avance. Il y a des solutions derrière. Allez, il peut décaler derrière vers Upamecano. Allez, Upamecano qui décale avec Delirte. Allez, Delirte qui décale sur le côté gauche. Avec Davis. Allez, l'appel de Leroy Sané. Allez, Davis qui joue derrière. Vers Delirte. Allez, Delirte pour Upamecano. Allez, Upamecano tranquillement. La passe de Upamecano devant. Attention, le contrôle de Gnabry bien joué. Allez, Gnabry qui décale sur le côté droit. L'Avi qui est dans avantage avec Coman. Attention, Coman toujours. Peut-être le centre Coman qui joue derrière vers Gnabry. Gnabry. Gnabry qui tape la ligne 2 avec Moussiala. Le conseil du jeune allemand. Moussiala toujours. Il y a des solutions avec Davis. Il décale vers Davis. Davis qui décale vers Leroy Sané. Leroy Sané. La frappe. Et la frappe de Leroy Sané contre par Akendi. On le récupère tranquillement avec Akendi. Et ça sort en tous. Et une belle combinaison. Allez, la touche pour les titres, pour les Bavarois. Avec Davis. Allez, Davis qui joue avec Delirte. Allez, Delirte vers Upamecano. Allez, Upamecano qui ligne facilement. Alan. Upamecano qui avance, qui décale. Avec Pavard. Allez, la passe de Pavard devant. Allez, pour Serti Coman. Allez, la passe de Coman derrière tranquillement. Allez, pour trouver Pavard. Allez, Pavard pour Upamecano. Allez, Upamecano pour Delirte. Allez, Delirte qui avance. La passe de Delirte sur le côté gauche. Avec Davis. Allez, Davis vient vers Leroy Sané. Leroy Sané qui joue avec Davis. Avec ballon perdu récupéré par Akendi. Allez, Akendi pour Rodri. Allez, Rodrigue pour Akendi. Akendi derrière. Allez, poursuivre avec Estons. Allez, Estons tranquillement. Allez, les gars, là-bas. Allez, ballon récupéré sur le côté gauche. Avec Akendi, la passe d'Akendi devant. Allez, ballon contré récupéré par Grilis. Allez, Grilis qui joue derrière pour décaler vers Akendi. Allez, Akendi poursuit derrière tranquillement. Ballon récupéré par Rodri. Allez, Rodri vers Diaz. Allez, le contrôle de Diaz pour décaler vers Akendi. Allez, Akendi qui avance. Akendi qui avance toujours, il y a des solutions devant. Non seulement avec la plaie, l'appel sur le côté gauche, c'est Grilis, il le voit. Attention, il cherche Grilis. Et la passe, ballon, la tête de Pavard qui repousse le ballon. Va récupérer peut-être par Coman. Allez, va récupérer par Coman. Attention avec le duel Aké. La faute d'Aké, Koufro. Et Fama, salut à vous, Fama. Allez, ballon récupéré, toujours par les Bavarois. Avec Davis. Allez, Davis, attention avec le Roi Sané. Et le ballon a été touché par Davis et ça fait touche. Donc. Allez, ballon toujours avec les Citizens, avec Estons. Allez, Estons qui peut décaler dans l'euro central avec Rodri. Allez, la pointe de Rodri sur le côté gauche pour trouver Grilis. Allez, le contrôle magnifique de Grilis. Allez, Grilis toujours derrière. Allez, pour chercher Akendi, Aké. Et la passe d'Aké pour trouver Bernardo Silva. Oh, et la passe est trop forte. Et le match est assez serré. Hein. Le match est assez serré. Allez, ballon dégagé devant. Avec Davis. Et la tête, ballon récupéré par Rodri. Allez, pressé par Bernardo Silva. Allez, Rodri qui décale sur le côté. Pressé par le Roi Sané, temps pour mort. Allez, ballon récupéré par Akendi. Akendi qui décale vers Bernardo. Allez, Bernardo qui talonne vers De Bruyne. Le centre de De Bruyne. Et le tacle de Kimmich, ça fait corner. Allez, quel retour. Quel retour de Kimmich. Et ça fait corner. Allez, les gars, les comme ça. Khadim Sek, salut à vous Khadim. Chérie, salut. Allez, vamos. Allez, corner. Allez, De Bruyne pour tirer le corner. Allez, corner pour les Citizens. Allez, De Bruyne pour tirer. Attention, corner tiré. Peut-être. Vers Grilis, attention. Grilis qui contrôle quand même ce ballon. Et le corner est mal tiré. Le ballon récupéré par les Citizens avec Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva pour chercher De Bruyne. Et la passe. La passe de Bernardo Silva est ratée. Allez tous, allez la touche pour les Bavarois. Allez David, vous pouvez la touche de David devant vers Grilis. La déviation non seulement de Goretzka. Ballon perdu, récupère. Attention, la passe devant. Le contrôle de Grilis qui décale vers Alan. La frappe d'Alan. Et Alan qui rate son premier face à face. Et Alan qui rate son premier face à face. Donc, et cette frappe d'Alan.
est capté par un Barcemer. C'est pas mal. La passe est grillée pour trouver Alan. Et la frappe. Il a raté sa frappe, Alan. Et voilà, récupéré par Upamecano. Le Upamecano qui peut relâcher Gnabry. Allez, Gnabry qui dégage sur le côté droit. Pavard pour Gnabry. Ça manque de profondeur côté Bavarois. Allez, voilà, récupéré par Pavard. Allez, voilà, qui pourra gagner. Allez, Vampirata sur la passe de Gnabry pour trouver le roi Sané. Et la couverture, voilà, dégagée par la défense des Citizens. Repoussé par Aké. Allez, ça revient avec la couverture d'Upamecano. Allez, Upamecano qui garde quand même ce ballon. Allez, ballon récupéré par Upamecano qui peut décaler vers Delirte. Allez, Delirte qui garde quand même sur le tranquillement. Allez, les Néerlandais derrière. Allez, Delirte toujours. Allez, les gars, c'est qui sont au Sénégal? Doc, Diop, ou le Dogo? Et les gars, c'est qui sont au Sénégal actuellement et qui me regardent, les gars? Doc, Diop, ou le Dogo? Doc, Diop, ou le Dogo? L'Oleg Labogram. Il est actuellement 22. Diop, ou le Dogo? Voilà 25, l'année d'Op ou le 22. C'est qui sont à Dakar, hein? Je ne parle pas aux autres. Allez, ballon récupéré tranquillement. Allez, la passe sur le côté derrière, tranquillement, on va le récupérer par Davis. Allez, Davis qui va avancer, la passe devant, on va récupérer par Moudiala. Allez, Moudiala qui décale avec le contrôle de Leroy Sané. Il y a des illusions avec Coman, il décale avec Coman sur le côté droit. Coman, qu'est-ce qu'il va nous sortir? La frappe peut-être, Coman, le crossé sur Aké. Coman, ah, il a tardé à laisser cette balle. Et Coman, il se met le pinceau là. Et la couverture magnifique d'Aké. Et Coman a gâté cette occasion. Il a complètement gâté. Allez, voilà, toujours avec les Bavarois. Joto Gouldé. Merci, Dek. Merci, Mohamed. Donc, vous m'affatez, les gars. Voilà, allez, voilà, récupérer tranquillement. Allez, là, passe sur le côté. Récupérer par Upamecano. Allez, Upamecano vers Kimmich. Allez, le contrôle de Kimmich. Ouais, ça sent. Ça sent vraiment, ça sent. Hein. Ouais, ça sent. Hein. Du côté du Etihad. Hein. Allez, ballon récupéré par les Bavarois avec Upamecano. Allez, Upamecano derrière vers Kimmich. Allez, Kimmich pour Delirt. Allez, Delirt qui avance. Il y a Davis à gauche. Il y a le roi Sané. Attention, l'appel de Davis. Allez, Kimmich qui va tercer. Donc, Davis la passe. Et ballon contré par Akenji. Allez, ballon contré par Akenji. Allez, ballon récupéré. Toujours avec les Bavarois, avec Davis. Allez, Davis qui sert son attaque sur Coman. Coman pour le roi Sané. Allez, le roi Sané qui joue derrière vers Moudiala. Allez, l'appel devant. Allez, Moudiala, qu'est-ce qu'il va nous sortir? La passe de Moudiala derrière tranquillement. Allez, ils font tourner les Bavarois. Même si ça manque de profondeur. Attention, la passe devant. C'est compliqué. Même si que ça manque de profondeur. Tu vois nettement que si Sadio Mané était en forme, et allez bouffer ses défenses. Allez, les gars, pas devant. Alors, voilà, récupéré par Rodri. Allez, Rodri pour Grilis. Allez, Grilis qui décale sur le côté droit avec Aké. Le pressing de Coman. Aké qui joue derrière tranquillement. Allez, vers Ederson. Allez, Ederson qui n'a pas de solution. La passe d'Ederson devant. Attention pour décaler avec Rodri. Allez, Rodri qui garde quand même ce ballon tranquillement. Allez, il y a des solutions devant. Allez, Modouder, salut à vous. Allez, voilà, récupéré par le roi Sané. Attention, l'accélération de le roi Sané. Le roi Sané, attention, qui dépose carrément. Akendi, le roi Sané. Le sable de le roi Sané. Le contrôle de Moudiala. La frappe. Et la frappe de Moudiala contrée. Oh, aïe, aïe, quelle occasion. Quelle occasion pour les Bavarois. Quel travail de le roi Sané. Cette frappe de Moudiala contrée. Aïe, 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 aïe. Voilà, récupéré derrière avec Goretzka. Allez, Goretzka qui joue le côté droit avec Pavard. La passe de Pavard pour décaler vers Coman. Attention, l'accélération de Coman pour aller défier donc Aké. Allez, Coman sur le côté droit, Coman toujours. Aïe, 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 aïe. Donc, Diotna, Ivan, merci beaucoup, merci. Les gars, je vais. Attendez-moi dans ma corde. Et quelle occasion, quelle frappe de Moudiala contrée.
Allez, ballon récupéré par le Ouattané. Le Ouattané qui va essayer donc de filer. Le Ouattané 1-2-3. Et ballon contré récupéré par Rodri. Attention à la passe de Rodri devant. L'accélération peut-être le contre avec Nosselma de Brain. Allez, il y a des solutions avec Grilis sur le côté gauche. Allez, il est calmé Grilis. Allez, Grilis tranquillement. La passe de Grilis derrière tranquille. Allez, pour trouver Nosselma Gundogan. Allez, Gundogan pour Rodri. Rodri pour trouver le roi, le Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva pour aller donc défier la défense bavaroise. Bernardo Silva part à deux joueurs en cœur, notamment Davis. Allez, il joue derrière pour décaler avec Essence. Allez, Essence qui décale vers Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva tranquillement. La passe de Bernardo Silva pour trouver avec Rodri. Le crochet de Rodri pour lui, le passer en Moutier là. Rodri, la roulée! Oh! Exceptionnel! Exceptionnel! Quel but! Quel but! Quel but! Quel but de Rodri! Quel but de Rodri! Quel but! Quel but! Quel but! Quel but! Le crochet pour éliminer Musiala! Et l'enroulé, l'enroulé! L'enroulé de Rodri! Et qu'est-ce qu'il vient de nous sortir là? Qu'est-ce qu'il vient de nous sortir là? Le crochet pour éliminer Musiala! Et l'enroulé avec son pied gauche! Rodri! Rodri vient de donner l'avantage à Man City! Man City mène au but à 0! Si vous venez de nous rejoindre, quel but! Quel but de Rodri! Quel but de Rodri! Quel but de Rodri! Allez, moi je profite de ce moment. Quel but de Rodri! Quel but, quel bombardement! L'enroulé est extraordinaire! L'enroulé est juste magnifique! L'enroulé est juste magnifique! Quel but de Rodri! Quel but, quel but! Ça va être compliqué pour les Bavarois maintenant! Cette équipe manque, ça manque de profondeur! Ça manque de profondeur devant! Allez, rapidement. Allez, ballon récupéré sur le côté. Avec Moutiala. Allez, la queue de 4 sur le côté. Attention, ballon perdu. Récupéré par le roi Sané. Récupéré par Bernard Silva. Allez, ballon récupéré par Davis. Allez, Davis, Nakhad Mbidar Dorelek. Allez, Sorna Bouchara, salut à vous, Sorna. Mais quel but, les amis! Quel but de Rodri! Il a nettoyé la. Les 7 secondes de Sommar. Allez, on va récupérer par Moutiala. Allez, entre deux joueurs. Attention, la passe de Bar. L'accélération peut-être de Coman. La passe de Goretzka. Allez, pour trouver Moman. On va récupérer par Coman. Allez, Coman pour aller donc défier la défense. Coman toujours. Le crochet de Coman pour éliminer le retour d'Akendi. C'est pas fini. Allez, Coman qui joue derrière pour décaler vers Davis. Allez, l'accélération du Canadien. Allez, Davis qui joue derrière avec Goretzka. Allez, Goretzka pour De Ligt. Le pressing de Bruyne. Allez, De Ligt qui joue avec Upamecano. Allez, Upamecano tranquillement. La passe de Upamecano. Ballon contré. Récupéré par Grilis. Attention, 1, 2, 3. Il ligne facilement. Allez, il va aller donc défier Grilis pour décaler vers De Bruyne. Attention avec Alan. La passe d'Alan vers De Bruyne. Le contre De Bruyne. Attention, De Bruyne qui va aller donc septième pour le côté avec Grilis. Grilis, le centre. Et ballon contré par Upamecano. Allez, ballon dégagé. Récupéré par le Ouattané. Allez, le Ouattané pour Upamecano. Allez, Upamecano pour décaler sur le côté droit. Attention, la passe devant. La déviation de Goretzka avec Coman. Le retour d'Akendi. Quel match d'Akendi.
Allez, Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva pressé par et la faute peut-être de. Et coup franc. Allez, ballon rapidement. Allez, ballon pour les citizens. Quelle entame de match. Il ne pouvait pas rêver mieux. Il ne pouvait pas rêver mieux. Et la porte à Kendi, attention avec la sorte de ce mot. Et ballon capté par le gardien suisse. Allez, pour assurer sa défense. Ça, c'est bon. Allez, il peut relancer rapidement. Allez, ballon capté par De Ligt. Et ballon, il peut relancer ce mot pour moi, pour relancer vers De Ligt. Allez, De Ligt tranquillement. Allez, De Ligt vers Upamecano. Allez, Upamecano qui avance. Le Bayern Munich est mené à 2-0. Vous ne rêvez pas. Les Bavarois sont menés. Allez, ballon récupéré par Davis. Allez, Davis qui joue derrière, tranquillement. Allez, il peut décaler vers De Ligt. Allez, De Ligt vers Upamecano. Allez, Upamecano qui avance. Allez, la passe de Upamecano devant. Attention, le contre tranquille. Non seulement l'accélération, non seulement de Goretzka. Allez, il y a des solutions avec l'appel de Davis sur le côté gauche. Allez, il décale vers Davis. Allez, le contrôle du Canada. Pressé de près par Kendi. Davis toujours. La passe de Davis vers Goretzka. Goretzka pour Musiala. Musiala pour Goretzka. Et la passe de Goretzka vers Kimmich. Qu'est-ce qu'il va frapper? Kimmich. La passe va vers le Roi Sané. Et la tête d'Aquet qui repousse ce ballon. Allez, ballon récupéré par Grealish. Allez, Grealish qui décale vers Gundogan. Allez, Gundogan 1-2-3 pour décaler vers De Bruyne. De Bruyne pour Alan. Attention, l'accélération d'Alan. Alan toujours. Le retour de Upamecano. Et l'arbitre qui laisse l'avantage. Ballon récupéré tranquillement avec Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière. Allez, il peut décaler vers Diaz. Allez, la passe de Diaz sur le côté droit vers Akendi. Akendi qui décale. Non seulement avec le contrôle de Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva vers Akendi. Quel match, quel match. Allez, rapidement. Allez, ballon récupéré par les citizens. Avec Akendi, la passe d'Akendi pour Bernard Silva. La déviation de Bernard Silva est magnifique. L'accélération de De Bruyne sur le côté droit. Le centre de De Bruyne pour certains Alan. La tête de Upamecano, il s'arrête. Sommer, attention, la frappe. Et l'arrêt de Sommer. Et il s'en fait corner. C'est vraiment saoul les amis. Allez, corner. Allez, De Bruyne pour tirer le corner. Attention, 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 corner tiré. Et la tête de Sommer, la déviation de Alan. Le fera peut-être avec Rodri. Il tape le sombrero. Et la tête du Upamecano qui repousse le ballon. Oh, et ça souffle. Allez, ballon récupéré par le Roi Sané. Pressé par deux joueurs. Il s'en sort. L'Atalante derrière. Se roule le compresseur, commence à marquer. Se roule le compresseur, commence déjà à marcher. Allez, ballon récupéré par Davis. Allez, Davis vers Gnabry. Allez, Gnabry. La passe de Gnabry devant. Attention, bien joué. Il va essayer de trouver le Roi Sané. La porte est magnifique, le contrôle de Leroy Sané, il y a des solutions avec Coman, Leroy Sané, qu'est-ce qu'il va le sortir, le crosser, Leroy Sané, deux joueurs, il ferme, la frappe de Kimmich, et voilà, contré, c'est pas fini, allez, va récupérer par Goretzka, allez, Goretzka qui décale vers Musiala, attention Musiala, la frappe de Gnabry, Musiala, partage seulement avec Akindi, Musiala pressé par Rodri, Musiala, il s'en sort pas, il s'en sort pas, oh c'est compliqué, oh c'est compliqué. Allez, les dégagements devant, loin de ce but, la sortie de Sommer, et la tête de Sommer devant, dans le rond 30 dans la vie, Kimmich. Allez, Kimmich pour Pava, Pava pour le Roi Sané, le Roi Sané pour Kimmich. Allez, Kimmich qui décale sur le côté gauche avec Davis. Allez, la passe de Davis, il y a beaucoup d'espace avec Coman. Attention, Davis qui déborde. Allez, Coman toujours pour garder quand même ce ballon. Le tacle de Bernardo Silva, ça revient. Va récupérer par Goretzka. Allez, Goretzka qui avance. Allez, la passe de Goretzka derrière. Allez, qui décale vers De Ligt. Allez, la passe de De Ligt devant vers Goretzka. Goretzka pour De Ligt. De Ligt, Upamecano. Upamecano tranquillement. Upamecano, De Ligt. Allez, De Ligt sur le côté gauche. Vers Davis. Davis derrière. De Ligt,
délire tranquillement. Allez, la passe derrière dans le rond central. Ballon récupéré par Upamecano. Upamecano, la passe sur le côté. Allez, le contrôle de Gnabry. Gnabry qui décale vers le Roi Sané. Le Roi Sané, la passe de le Roi Sané vers Kimmich. Allez, le contrôle de l'Allemand. Kimmich pour Goretzka. La déviation vers Musiala. Goretzka, 1-2. Ballon perdu. Récupéré par Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière pour décaler vers Akendi. La passe d'Akendi tranquillement. Allez, le dégagement de Diaz devant. Et ça sort un tous. Allez, rapidement. Allez, ballon récupéré. Attention, l'accélération sur le côté. Et la faute. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Allez, la faute de Pavard sur De Bruyne et Koufran. Et Laïsar, Loïc Wardi. Aïe, Laïsar, Loïc Wardi. Vraiment, Laïsar. Vraiment, il y a des frustrés. Il y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Alors, ballon récupéré, attention avec Akendi. La passe Akendi d'ailleurs, attention, le centre devant. Peut-être la tête d'Alan, la déviation. Et ballon dégagé par Pavard. Allez, ça revient encore, attention, la tête devant. Il y a contact ou pas, et la faute. La faute de Bernardo Silva. Unity War, bon goal. La balle en devant le tour, ça ne Unity War, bon goal. Tinan, n'y a pas de nan de profondeur. Il y en a un qui est là. Il y a un qui est là. Allez, va récupérer par Musiala dans le milieu de terrain. Attention, Musiala qui accélère toujours. Va récupérer par Coman. Allez, va récupérer. Allez, la faute, il y a coup franc. Allez, la passe devant. Allez, ballon récupéré par Musiala. Allez, Musiala qui décale sur le côté droit tranquillement avec Pavard. Allez, Pavard qui décale vers le Roi Sané. Qu'est-ce qu'il va le sortir? Allez, le conseil de Roi Sané pour jouer derrière. Allez, qui décale vers Kimmich. Allez, Kimmich tranquillement pour Delirt. Allez, Delirt pour Davis. Allez, Davis s'appelle devant. Davis toujours la part de Davis derrière. Allez, pour jouer avec Delirt. Allez, Delirt vers Upamecano. Allez, Upamecano qui avance. La part de Upamecano devant. Ils sont bien actuellement. Va récupérer par le Roi Sané. Le Roi Sané vers Coman. Attention, Davis qui déborde sur le côté gauche. Coman toujours. Il y a des solutions devant. Coman pour le Roi Sané. Le Roi Sané. Allez, il tarde. Allez, cette balle. Le Roi Sané. Attention, il tarde le dribble. Va récupérer par Kimmich. Allez, Kimmich qui décale sur le côté droit avec Pavard. Le centre a une touche de Pavard. Attention, le Roi Sané. Va récupérer par Musiala. Allez, Musiala qui récupère quand même ce ballon. Il y a l'appel derrière. Allez, Musiala qui joue derrière pour décaler. Attention, la partie devant Delirt. Il le voit avec le contrôle de Coman. Élimine 2, 1, 2, 3. Le retour de le Roi Sané. Il est trop court. Va récupérer par Coman qui déborde le tac d'Akendi et ça fait corner. Le Bayern le pousse. Merci les gars à tous et qui s'abonnent. Merci pour vos abonnements. Non, vous allez comprendre. Allez, le centre, attention la tête. Ballon de poussé par la défense. Allez, ça revient avec Musiala. Musiala qui déborde. Peut-être le centre de Musiala, il y a des solutions. Le centre de retrait, c'est mal joué de la part de Musiala. Allez, ballon récupéré par Gnabry. La passe à Gnabry pour décaler vers le Roi Sané. Allez, le Roi Sané pour Davis. Déjà 40 minutes. Car on allait. Non, gars, qui l'a beaucoup. T'as un peu de coton.
Allez, on montre cette action tout à l'heure. Et les gars, pour moi, il y a faute. Pour moi, Bernardo Silva, pour moi, il y a pénalty. Allez, Delirte, il reste au sol. Allez, Delirte, il reste au sol. Delirte, il reste au sol et Thomas Tourelle envoie deux joueurs. Il y a Cancelo et Stanisic. Allez, il discute avec Müller. Müller, il est devenu l'adjoint ou pas? Allez, c'est bon. Allez, donc, l'été aux arrêts, suite donc à cette blessure de délire. Donc, toujours un but à zéro. But marqué donc par Audry à la 27e minute. Sur un but exceptionnel, un but exceptionnel de la part donc de Rodri. Allez, rapidement. Allez, on va récupérer avec Sommer. Allez, le dégagement du gardien devant. Attention, la déviation de Coman derrière. On va récupérer par Moussiala. Moussiala, il va falloir qu'il rentre dans ce match. Il va falloir que Moussiala rate dans ce match parce que c'est compliqué. Allez, on va récupérer Upamecano. Allez, Upamecano pour Sommer. Gérard de voir cette équipe de City dominée par comme ça. Allez, on va récupérer Upamecano. La passe de Upamecano devant. Attention, le contrôle de Gnabry un peu long. Gnabry lui aussi, il n'est pas dans ce match. Gnabry, il perd beaucoup de ballons. Allez, on va récupérer par De Bruyne. Allez, le tacle de Pavard sur le ballon. La passe devant. Attention, l'accélération de Thomas de Gnabry. La couverture de Diaz. Et les dégâts de Diaz devant. Ça revient encore. On va récupérer par De Bruyne. Allez, De Bruyne qui récupère quand même ce ballon. La passe est pour trouver Grealish. Allez, la passe de Grealish pour trouver derrière. Avec Ake. La passe d'Ake. Vers Akendi. Allez, Akendi pressé par Coman. La passe d'Akendi devant. On va récupérer tranquillement. La déviation non seulement avec Kaisanch. Ligne 2 qui fonctionne avec Bernardo Silva. Attention, le retour de Gnabry. Gnabry, ballon récupéré par Goretzka. Il y a des solutions. Il décale vers Gnabry. Allez, Gnabry pour décaler vers Coman. Allez, on va récupérer par Coman. Le retour de Bernardo Silva. Coman toujours. L'accélération et la couverture. Quel joueur ça, Akendi. Allez, il est à partir tranquillement. Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva pour aller chercher Alan. Et la faute d'Alan. La faute d'Alan sur Delirte. Et coup franc pour les Bavarois. Allez, rapidement. Voilà pour les Bavarois derrière avec Sommer. Allez, Sommer qui décale sur le côté droit. Forcément, Simon est rate. Il va montrer. Donc, il va apporter beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup d'espace dans la défense. Énormément d'espace. Ça manque de profondeur. Ça manque de profondeur côté bas. Allez, on va récupérer. On va récupérer par Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière tranquillement. Allez, il peut décaler avec Ake. Allez, Ake, il décale sur le côté gauche. Avec le contrôle de Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière pour décaler avec Ake. La passe d'Ake poursuit derrière. Avec Diaz, avec Akendi. Avec qui le retour de Coman. La passe devant vers De Bruyne. Le contrôle de De Bruyne tranquille. Attention, la passe de De Bruyne. Ballon contré par Coman et tout ça. Allez, la passe derrière. Ballon récupéré derrière. Attention. Les dégagements de Ederson devant. Allez, Dutton qui va aller donc chercher 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Allez, 2 minutes. Additionnel time, 2 minutes, les amis. Allez, la touche pour les Bavarois. Allez, la touche de Pavard devant vers Gnabry. Allez, Gnabry qui s'en sort. Attention, on va le récupérer toujours avec Moussiala. Moussiala qui va aller donc forcer. Et ballon perdu par Moussiala. On va le récupérer par Rodri. Rodri qui joue derrière. Allez, il décale avec Akendi. Allez, Akendi, le pressing de Coman. Attention, Akendi toujours. Et la passe derrière vers Ederson. Allez, Ederson qui garde tranquillement ce ballon. Allez, il peut décaler vers Essence. Allez, le contrôle descend tranquillement qui passe devant vers Moussiala. Moussiala, Gnabry, les matchs sont compliqués. Ils sont en train de subir quelque chose de compliqué. Hein. Allez, voilà, récupérer. Attention, la passe devant. Il le trouve avec De Bruyne. La passe devant, attention, le coup est récupéré par Gündoğan. Gündoğan, la talonnade, le tacle de Pavard. Et voilà, récupéré par que. Attention, avec Goretzka.
Allez, l'appel de Coman devant. Allez, il décale avec le roi Tané. Allez, le roi Tané qui décale vers Coman. Allez, le contrôle du Français. Allez, Coman donc pour aller défier centre. Coman toujours le centre de Coman pour sortir sur le côté. La tête d'Aké. Allez, ballon de poussée par Aké. Récupéré par Grilis. Allez, Grilis qui récupère ce ballon. Récupéré par Goreska. Avec récupéré par Pavard. Allez, Pavard sur le côté droit. La passe de Pavard derrière. Vers le roi Tané. Le roi Tané. La frappe! Et la roulée de le roi Tané. Et c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Oui, il a osé attenter. Et il a tenté ses sens. Sa chance. Il a tenté sa chance, le roi Tané. Et la frappe de le roi Tané qui passe. Qui passe juste à côté. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, les amis. Quelle première période. Quelle première période, même si le Bayern Munich domine. Mais City donc mène au but à 0 à la pause. Grâce à Rodri sur un merveilleux début exceptionnel. L'enroulé de Rodri. Et qui permet pour l'instant à City de passer devant. Donc c'est la mi-temps, les amis. Un but à 0, c'est le score à la pause. Un but à 0, c'est le score à la pause. C'est la mi-temps. Mais nous avons assisté à une première période exceptionnelle. Une première période âprement disputée. Et c'est la mi-temps, les amis. C'est la mi-temps, les amis. Allez, on attend l'entrée de Mané. On attend l'entrée de Mané, les amis. C'est la mi-temps, les amis. Allez, gars, c'est la mi-temps. Allez, moi, je profite pour ça. C'est du Ligue 1. Les gars, une courte pause. Et je reviens. Une courte pause et je reviens.
Allez les gars, de retour donc après cette courte pause de prière. Allez, de retour. Et les gars, comment vous avez vécu cette première période? Comment vous avez vécu cette première période? On a vu l'équipe donc. Allez, je salue donc Boussard va égaliser. Salut à Boussard, Abu Diaro, Winston Lalaberne va marquer 3-2. Ouais, mais ça manque, on va parler de ça. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe bavaroise, à donc à cette première période? Pourquoi le Bayern n'arrive pas à marquer? On va parler de ça donc c'est quelques minutes qui nous restent. Salut à vous Diao, et bien sûr que vous allez bien. Salut à vous. Mohamed Khan. Celui-là, Mohamed. Après Nalo. Après Martin Fidier et Nalo, Inch'Allah. Martin Fidier et Nalo. Dans ma bug, après Nalo, ding. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Diao. Merci beaucoup. Allez, les gars, on parle donc de cette première période. On a vu donc avec les stats. Je vous montre donc les stats, comme vous pouvez le voir. Les statistiques de la rencontre. 52% de possession de balle pour le Bayern Munich. On a vu une équipe bavaroise donc, qui avait donc du mal à démarrer son match quand même. Donc, City avait donc la balle donc, dans les 15 premières minutes. À partir de là, ils ont réussi quand même à avoir quelques occasions. Notamment, au total, ils ont fait 7 tirs. Donc 3 cadrés, donc du côté du Bayern Munich, tu vois nettement que après le but pris donc ce but magnifique de Rodri, le Bayern a réussi quand même à poser la balle au sol, à créer des occasions, mais ils n'ont toujours pas de tir cadré. Donc au total ils ont fait 4 tirs, dont 0 cadré. Donc ça montre carrément ces physionomies de match, une possession estérile de cette équipe bavaroise qui n'arrive pas à s'approcher donc au début. Ils ont réussi une fois, ça n'a pas abouti avec non seulement la frappe de Musiala. Donc à partir de là, ça manque beaucoup de profondeur. Derrière, tu vois nettement que la défense de City laisse beaucoup d'espace. Est-ce que le Bayern va réussir à profiter de cet état? Donc surtout Sadio Mané va rentrer donc à cette deuxième période. On ne sait pas. Pour l'instant, le match de Gnabry est compliqué. Musiala aussi, il perd trop de ballons. Coman aussi n'a pas encore entré dans ce match. Donc devant, ça reste. Donc tu vois nettement, ils sont fait 4 tirs. Dans le cadre. On attend donc beaucoup de changements par rapport à Thomas Tuchel. Forcément, Sadio Mané va rentrer. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va apporter à son équipe. Mais s'il rentre forcément, il a l'habitude donc de jouer contre City. S'il rentre forcément, il va non seulement donc profiter de ses largesses défensives des Citizens. Donc à partir de là aujourd'hui, c'est à Thomas Tuchel de rectifier les erreurs. Bayern pour l'instant. Domine, Bayern pour l'instant crée des occasions, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il va falloir non seulement être beaucoup plus réaliste, il va falloir non seulement être beaucoup plus mordant. Si ça continue comme ça, City va marquer 2 voire 3 buts. Donc City est beaucoup plus réaliste. Tu vois nettement avec les combinaisons sont rapides, les transitions sont rapides. À partir de là aujourd'hui, c'est à Thomas Tuchel, c'est à l'équipe bavaroise aujourd'hui, c'est à Gnabry aussi de rentrer dans ce match, c'est à Musiala aussi de laisser donc plus vite les ballons, c'est à Leroy Sané aussi d'apporter encore beaucoup plus parce qu'il est dans son match, il est dans son match comme on dit. Coman aussi, il percute, il apporte des choses, mais ça reste de la présence, ça reste aujourd'hui un tout promotif, je l'ai dit, ça reste aujourd'hui ce joueur en tête aujourd'hui qui peut permettre au bloc non seulement bavarois de monter. Regardez si Toupo est là, si Toupo Moting joue, c'est complètement différent parce que Toupo, c'est un point d'appui. C'est un joueur que tu peux appuyer, tu peux non seulement monter le bloc bavarois. Mais aujourd'hui, tu n'est pas là. Donc il n'y a pas un joueur axial qu'on peut appuyer. À partir de là aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Tu vois, c'est Gnabry qui joue comme neuf. Et Gnabry, tu vois nettement, il se déplace de gauche, il se déplace à gauche, à droite. Donc c'est compliqué. Donc c'est à aujourd'hui. C'est à l'entraîneur aujourd'hui de trouver le juste milieu. Est-ce que Sadio Mané, si Sadio Mané rentre forcément, il va jouer devant parce qu'ils n'ont pas ce joueur aujourd'hui donc capable de jouer comme le fait Choupo-Moting. Donc ils n'ont pas ce joueur. Donc si Sadio Mané rentre, forcément il va jouer donc comme attaquant à la pointe. Donc si Müller aussi rentre, Müller va jouer donc comme neuf. C'est compliqué. Donc la défense de City, tu vois nettement que
Amouni qui a une couleur nationale, donc actuellement il marche sur l'eau. Donc c'est à Thomas Tourelle de trouver donc le juste milieu pour essayer de rétablir. La première mi-temps est difficile. Quoi qu'il arrive, il doit égaliser pour gagner le premier match. Ouais. Ouais, il a pris le match de Niabré est compliqué. Ouais, le match de Niabré est compliqué. Le match de Niabré est compliqué. Hein. Ouais, ça, je suis d'accord. Le match de Niabré, les gars, c'est compliqué. Ouais, Müller peut apporter beaucoup de choses. Hein. Les changements, Müller peut apporter beaucoup de choses. Donc tout à l'heure, on a vu, donc, il était en train donc, de discuter avec Thomas Tourelle. Donc à partir de là, on entend beaucoup de choses de Müller. Il peut apporter beaucoup de choses. Ça demande aussi, lorsqu'il sera là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va apporter comme... Mais quand même, il y a beaucoup d'espace derrière. Allez, on va voir. Allez, on sera du côté donc dédié à l'Estadium pour cette deuxième période. Pour l'instant, City domine. Allez, City pour l'instant mène 2-0. Allez, la deuxième période, les amis. Allez, la première était à vous dire. On a vu une première période à pouvoir discuter de très belles équipes. Mais quand même, on attend plus du côté bavarois. Zéro tir cadré pour le Bayern de Munich. Il va falloir changer. Merci les gars pour vos abonnements. Allez, le retour des 22 acteurs. Allez, pas de changement côté bavarois. Les 22 font le retour. Aussi pas de changement côté City. Les 22 joueurs. Salut à vous, Jules. Salut à vous. Parfait. Salut à vous, Massim Diagne. Salut à tout le monde les gars, et bienvenue encore une fois, merci beaucoup les gars pour les likes. Allez les gars, on cherche les 300 likes, juste avant la fin du match. C'est possible, je compte sur moi. On fait les 300 likes. Allez, la discussion entre Coman et Thomas Tourelle. Et la deuxième période donc va commencer pour cette masse allée donc de ces quarts de finale de la Ligue des Champions pour l'instant. Si tu tiens bon pour l'instant, si tu mêles. Et c'est reparti les amis. Allez, c'est reparti pour cette deuxième période. 45 minutes de pur bonheur. Allez, va en récupérer par les Citizens. Avec le dégâtement d'Ederson devant. Allez, Ederson qui sert sur le côté vers la natation. Upamecano, la tête de Pavard. Et va en dégager par le Français. Ça revient encore dans le milieu de terrain. Rapidement avec Estonte, la porte sur la déviation de Alan. Avec Pavard, la tête de Pavard pour repousser le ballon. La tête de Akendi va en dégager par Kimmich. Le duel avec la tête de Diaz. Allez, Kavar, elle est Pavard pour récupérer ce ballon sur le côté droit. Allez, les dégâts de Pavard, ballon contré. Récupéré, attention, la passe devant. Récupéré par Moussiala, la Moussiala qui joue derrière tranquillement. Bon, récupéré par Goretzka. Attention, l'accélération de Goretzka. Allez, Goretzka qui décale sur le côté gauche avec le Roi Sané. Yann Goretzka dans l'accélération. S'il le voit, le Roi Sané. Et la frappe, l'arrêt de Nelson. C'est mal joué de la part de le Roi Sané. Allez, va récupérer pour le Roi Sané. Allez, le Roi Sané. Ah, s'il avait vu Goretzka. Attention, le contrôle de Niabri. Et le match de Niabri est compliqué. C'est mal joué de la part de Roi Sané. Le Roi Sané, il est perso. Il est trop éliminé ce soir. Allez, on va récupérer avec Estonte. Allez, sous le pressing seulement de Moussiala.
Allez, Santi qui joue sur le côté droit, la passe devant, avec le contrôle de Debrine, magnifique. Allez, voir le contre, il est récupéré quand par Davis. Allez, Davis qui décale vers Kimmich. Allez, le contrôle de l'Allemand. Allez, Kimmich qui avance. Il y a Goretzka sur le côté. Allez, il décale vers Goretzka. Allez, Goretzka. Goretzka, il y a Coman à droite. Allez, il joue vers Pavard. Pavard pour Sergi Coman. Allez, Coman derrière avec Pavard. Allez, Benzema Pavard poursuit vers Upamecano. Allez, Upamecano, le pressing d'Alan. Allez, là, passe Upamecano derrière. Allez, pour trouver non seulement De Ligt. Allez, De Ligt pour garder quand même ce ballon. La passe de Ligt derrière pour trouver Upamecano. Allez, Upamecano. Allez, Upamecano qui avance. La passe Upamecano bien joué, qui casse les lignes. Allez, il trouve Gnabry. Gnabry pour jouer derrière. Allez, pour Sergi Pavard. Allez, Pavard pour Upamecano. Allez, Upamecano qui joue derrière. Allez, pour temporiser. Avec son gardien Sommer. Allez, la porte de Sommer devant sur le côté. Allez, le contrôle magnifique de Davis. Allez, Davis pressé par le roi Sané. Attention, le duel avec le roi Sané. Il s'en sort. La déviation de commande. Attention, Moussiala. À l'accélération de Moussiala. Et la faute grossière. L'arbitre qui l'avantage. Laisse l'avantage. Et l'arbitre qui revient sur la faute. Et le premier carton zone du match. Allez, le premier carton zone du match, c'est pour Bernardo Silva. Allez, le premier carton jaune du match, c'est pour Bernardo Silva. Le premier carton du match, c'est pour Bernardo Silva. Allez, rapidement, bon, pour les Bavarois. Allez, la part sur le côté vers Benzema Pavard. Allez, Pavard pour jouer derrière. Attention, la passe devant, le contre de Moussiala. Attention, la pelle de le roi Sané. La passe en profondeur, il le voit. Le roi Sané, il y a des solutions. La frappe! Et l'arrêt d'Ederson. Le roi Sané. Le roi Sané qui encore gaspille une nouvelle occasion. Mais qu'est quoi le problème? Il doit terminer cette occasion. Et la passe de Moussiala était magnifique. Et carton zone. Et carton zone pour Davis. Allez, Mané ne tardera pas à rentrer. Mané ne tardera pas à rentrer. Mané ne tardera pas à rentrer. Allez, va récupérer par Upamecano. Attention, la passe de Upamecano, va le contre par Grealis. Allez, va récupérer par Grealis. Attention, derrière, Gundogan, le centre vers Bernardo Silva. Le retour de Davis. Pavard dégagé. Attention, Alan, la frappe. Et la frappe d'Alan contrée par Kimmich. Et il joue avec le feu. Oui, la défense joue avec le feu là. C'est quoi ça? Aïe aïe aïe. Modou Loïfaï, salut à vous. Ils sont en train de désuer, ouais, ils sont en train de désuer tout de suite. Ils sont en train de désuer, hein. Ils sont en train de désuer, regardez Sommer. Le dégagement, heureusement, heureusement. Que cette frappe d'Alan a. Kimmich a contré cette frappe. Heureusement. Heureusement. Allez, Guilis d'être au sol. Allez, toujours 1-0 pour les citizens. Allez, gars, n'oubliez surtout pas demain. On va commenter donc le match du Real Madrid-Chelsea. Chelsea de Kalidou Koulibaly. Donc. On va commenter ce match, Inch'Allah, bien devant. Prise d'antenne 17h30 comme d'hab. On va parler donc de l'avant-match. Parler des deux équipes. Après on va commenter ce match. Sans doute. Allez, les deux toujours aux arrêts. Allez, la passe sur le côté. Allez, on va récupérer par Davis. Allez, Davis qui joue derrière tranquillement. Allez, pour Sergi De Ligt. Allez, De Ligt vers Upamecano. Allez, Upamecano derrière. De Ligt, le pressing de Bernardo Silva. Allez, derrière pour Upamecano.
Allez, la passe de Pamikano devant. Attention, ballon perdu. C'est quoi ça? Ballon récupéré par Rodri. À la Rodri pour décaler vers Alan. La passe d'Alan pour Cercé de Brain. Ballon contré par Pamikano. Sommer pour de Pavard. Allez, Pavard, la passe de Pavard devant. Allez, la déviation de Goretzka pour Pamikano. La passe de Pamikano. Attention, ballon perdu encore. Récupéré par Rodri. Ils ont vraiment du mal. Il va falloir que Thomas Tuchel fasse des changements. Ça ne va pas du tout. Allez, ballon récupéré. Pas Ake, la passe d'Ake vers Grilis. Allez, Grilis resté par Pavard. Et la passe de Grilis contrée par Pavard et ça fait tout. Salut à vous, Sil, salut à vous. Gnabry, il est out. Donc pour moi, le changement, il doit faire rapidement le changement. Allez, on va récupérer par Alan. Et Alan pour Grilis, attention Grilis qui tente le coup de pont sur Coman. Allez, ballon contré par Coman, non touché, l'arbitre. Et là, tous ces Bavaroises. Salam à vous, Omar Fay. Omar Fati, salam à vous. Allez, la part devant. Ballon contré, récupéré derrière. Avec Delirte, allez, Delirte pour Goretzka. Goretzka pour Delirte, la part de Delirte devant. Et ballon contré, attention le tac de Kimmich. Va récupérer par Pavard. Attention la passe de Pavard pour Cercé Gnabry. Attention ballon contré, récupéré par Gnabry. Gnabry le crossé in 2. Gnabry, il a vraiment du mal Gnabry. Allez, va récupérer par Coman. Attention Coman qui accélère. Allez, Sadio Mané, allez donc au mouvement. Va récupérer par Coman. Allez, Coman qui joue derrière pour décaler vers le roi Sané. La frappe. Et l'arrêt d'Ederson. Et quel arrêt. Quel arrêt du Brésilien. Ah, va récupérer par Davis. Allez, Davis toujours. Allez, la passe de Davis derrière. Allez pour Cercé Delirt. Allez Delirt pour trouver Davis. C'est pas mal. C'est frappé le roi Sané. Allez pour jouer avec Kimmich. Allez Kimmich se presse par Alan. Allez pour jouer derrière tranquillement. Allez pour Cercé Sommer. Allez Sommer vers Upamecano. Allez Upamecano. Il y a des solutions devant. Upamecano toujours. La passe de Upamecano. Allez le contrôle de Kimmich. La passe de Kimmich pour décaler vers Goretzka. Goretzka pour Kimmich. Allez Kimmich qui décale sur le côté gauche. Avec Davis. Allez Davis derrière avec Kimmich. La passe de Kimmich pour aller Cercé sur le côté droit. Coman. Il le voit. Il le trouve. La passe de Pavard. Attention. Je le vois, il décale vers Pavard, le centre de Pavard, contré, et ça fait corner, c'est pas mal, quelle action pour les Bavarois, une belle combinaison, la passe de Coman pour trouver Pavard, le centre de Pavard contré, et ça fait corner pour les Bavarois. Allez, corner pour les Bavarois. Allez, corner tiré par le roi Salé. Et la tête de la nerf de Nelson. Oh non, Coman. Et la tête de Coman. Repoussée par Gaz. C'est quoi ça, cette occasion de dingue là. Et la tête, c'est Bologhi, non. C'est Akiti. Aïe, la tête de Delirte. La tête de Delirte qui rebondit sur la tête d'Ake. Oh. Allez corner tiré par le roi Sané. Et ballon repoussé par la défense, ça revient encore. La tête de Kimmich dans le rond central, la déviation, attention. Ederson qui s'empare tranquillement devant ce ballon. Allez, le dégagement d'Ederson devant. Attention, l'accélération de Thomas devant. Attention, Alan, il essaie de la sortir de ce mort. Oui, ça sort bien. Allez, ballon récupéré avec Gundogan. Allez, pressé de près par Kimmich. Et la faute, c'est coup franc. Allez, Hulk Coutinho, salut à vous. J'espère que vous allez bien. De toute façon, Tuchel n'est pas mieux que Nagelsmann. C'est pas, mais vraiment, il ne propose absolument rien de tout. Gnabry, il est out pour moi. Pour moi, il doit faire le changement. Gnabry doit sortir. Allez, ballon récupéré par les Citizens. Avec Akendi. Allez, la passe d'Akendi qui renverse. C'est quoi ça? Allez, il rate complètement sa passe. Allez, ça fait tous. Allez, tous pour les Bavarois avec Upamecano. Upamecano tranquillement. Allez, Upamecano qui joue derrière pour décaler avec Delirt. Allez, Delirt qui avance. Il y a des solutions devant avec non seulement Goretzka. Allez, il joue vers Upamecano. Allez, Upamecano qui rentre vers Davis. Attention, il y a tête.
Là, le bon Zaïd Smad Akendi va récupérer par Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva qui décale tourne le côté droit avec Akendi. Akendi toujours pressé par Davis, il est derrière avec Rodri, le buteur. La face de Rodri, attention, Gundogan, il est seul. Gundogan qui décale vers Grealish. Attention, Grealish qui va essayer d'armer. Grealish, la talonnade est magnifique vers Ake. La frappe et l'arrêt. L'arrêt de Sommer et il s'en fait corner. Et l'arrêt du gardien de Suisse, c'est un fait corner. Allez, corner. Allez, corner qui va tirer. Attention, corner est joué à la roue. Avec Grealish, Grealish qui décale avec Gundogan. Il y a beaucoup d'espace. Allez, Gundogan qui décale vers De Bruyne, le centre. Le contrôle. Et la frappe. Et l'arrêt. L'arrêt de Sommer. Et quel arrêt. Quel arrêt il est en train. Il est en train de sauver son équipe là. Et quel arrêt de Sommer. Le centre de De Bruyne. Le contrôle de. Et il y avait une position d'ordre. Mais quel arrêt. Mais quel arrêt de Sommer! Omar, ça va bien, Alhamdoulilah, ça va bien. Allez, corner, il y avait position d'ordre. Allez, corner pour les Citizens. Allez, De Bruyne pour tirer le corner. Allez, De Bruyne, corner centrant. La tête d'Aquet. Avec Alan qui revient. À la volée! Et la volée, l'arbitre qui siffle une faute. L'arbitre qui siffle une faute sur Kimi, c'est ça fait coup franc. Et ça démarre bien, mais il va falloir que les Bavarois se ressaisissent parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout pour les Bavarois. Allez les gars, il reste deux personnes pour les 28 800, pour les 28 180. Il reste deux personnes pour les 28 180. Allez, Sommer vers Upamecano. Allez, Upamecano qui peut avancer, la passe de Upamecano derrière. Allez, qui décale vers Sommer. Allez, les dégagements du gardien devant. Ils sont vraiment du mal. Niapri doit sortir. Ouais, c'est le changement. Le changement, c'est que cette équipe a vraiment du mal. Allez, là, tout le monde à Ké. Voilà, au contraire, récupéré par Niabri. Allez, Niabri, toujours la passe à Niabri, magnifique vers Kimmich. Attention, la passe à Kimmich avec le roi Sané. La sortie d'Ederson. Il avait tout vu, Ederson. Et la bonne sortie du gardien brésilien. Allez, voilà, récupéré par les Bavarois. Avec le gardien suisse Sommer. Allez, Sommer pour De Ligt. Allez, De Ligt qui pose avec Sommer. Allez, les dégagements de Sommer devant. Attention, la déviation non seulement. De Niabri, il rate complètement sa tête. Ballon récupéré par Goretzka avec la partie devant de Gundogan. Allez, Gundogan qui décale vers Alan. Alan qui joue avec Gundogan. Allez, Gundogan qui avance sur la talonnade derrière. Avec Grealish. Allez, Grealish toujours. Le retour de Coman. Allez, la passe de Grealish derrière. Allez, pour décaler vers Ake. La passe d'Ake dans l'euro central. Pour trouver Gaz. Allez, Gaz pour Ake. Ake derrière pour Rodri. Allez, Rodri pour Ake. Ake pour Rodri. Rodri pour Diaz, la passe de Diaz devant, attention qui casse les lignes, le contrôle d'Alan, magnifique. Alan qui joue derrière pour décaler sur le côté avec Rodri. Rodri pour De Bruyne. Allez, De Bruyne qui trouve Bernardo Silva. Allez, Bernardo Silva face à Davis. Bernardo toujours avec sa patte gauche, magnifique. Allez, Bernardo Silva pressé par deux joueurs. Le roi Sané qui revient. Pressé, attention, il tient ce bout du pont, ça passe. Bernardo Silva, oh, ça passe, magnifique. Heureusement que Davis est là. Heureusement pour les Bavarois. Le retour de Davis, ça a fini. Attention, Bernardo Silva qui joue derrière. La frappe. Et la frappe de. La frappe de De Bruyne. Non, descente. Allez, qui passe à côté. Quel travail de Bernardo Silva. Allez, là, tous rapidement. On va récupérer par Guilice. Ça sort à tous. Elle fait rentrer Manuel. Tout le stade de Manuel. Ah. Allez, Pavard. Là, tous de Pavard devant. Attention pour Cessé Niabri. La déviation derrière.
Ferralan, attention, ballon récupéré, Ferralan qui joue derrière. Attention, le tac derrière, le retour. Alan qui joue derrière avec Ake, De Bruyne pour Bernardo Silva. Ballon contré par Davis. Attention à l'accélération du Canadien. Davis qui joue le retour de De Bruyne. Ah, il n'a pas de solution, Davis. Il perd ce ballon. Allez, ballon récupéré par Bernardo Silva. Bernardo Silva qui laisse son avec De Bruyne. Le centre de Evan contré, dégagé par Upamecano. Ça revient vers le roi Sané. La tête de Tans. Ballon récupéré par De Bruyne. Allez, De Bruyne pour Rodri. Rodri qui joue derrière vers Akendi. La passe à Akendi derrière. C'est compliqué. C'est compliqué pour les Varois. Allez, ballon récupéré par la passe devant d'Ederson. À la passe qui casse les lignes, il trouve Rodri. Allez, Rodri qui avance, le buteur, la pèse sur le côté gauche. De Debray, il le voit, il le trouve à merveille, le contrôle de Debray. Attention, la passe va avec Alan. Alan dans la surface, traité par Upamecano. Alan qui sort, il va essayer de trouver qui. Alan poursuit derrière avec Rodri. Le centre arrive tous. Le tacle de Pavard, c'est pas fini. Et la tête de Ake. Et le retour de Moussiala. Il perd ce ballon. Ballon récupéré par Grealis. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Allez, Grealis qui joue derrière. Allez, il peut décaler sur le côté tranquillement. Avec non seulement Rodri. Allez, Rodri qui décale vers Akendi. La passe d'Akendi vers Bernardo Silva. Allez, le contrôle de Bernardo. Allez, Bernardo qui joue derrière tranquille. Pour De Bruyne. Allez, De Bruyne pour Bernardo Silva. La passe de Bernardo derrière tranquillement. Avec Akendi. Akendi pour Rodri. Rodri pour Bernardo. Allez, la passe de Bernardo derrière tranquillement. Voilà, récupéré tranquille. Avec l'avance. Il avance, il avance, il avance. Non seulement Diaz. Allez, il y a des solutions. Notamment l'appel de Alan. Allez, il décale vers Ake. La passe d'Ake vers Grealish. Allez, Grealish tranquillement. Allez, merci beaucoup les gars pour les 28 180. Allez, la passe devant. Allez, le contrôle tranquille de Debrede. Allez, Debrede qui trouve Bernardo Silva. Allez, le portugais Bernardo Silva avec sa patte gauche. Il va aller donc défier Davis. Et il joue avec Debrede. Debrede qui trouve Akendi. Attention, la passe de Rodri. Va récupérer par Goretzka. La passe devant vers Gnabry. Gnabry pour Coman. Alors ça, ça va récupérer par Coman. Il y a le roi Sané sur le côté. Il décale vers le roi Sané. Allez, il y a du monde devant. Allez, le roi Sané toujours. Qu'est-ce qu'il va sortir? Le roi Sané. Allez, il joue derrière pour décaler vers Moudiela. Allez, Moudiela toujours. La passe de Moudiela derrière. Attention avec Kimmich. La frappe de Kimmich. Allez, cette frappe de Kimmich contrée. Ballon récupéré par l'équipe d'Ingol avec Grealish. Allez, Grealish pour Ake. Ake qui décale vers De Bruyne. Allez, la glissade de De Bruyne. Attention, le tacle de Goretzka. Ballon récupéré par Kimmich. Kimmich pour Goretzka. Allez, Goretzka derrière et De Bruyne. De Bruyne reste au sol. De Bruyne reste au sol. Ballon récupéré par De Ligt. Avec le roi Sané qui perd ce ballon. Ballon récupéré par Rodri. Attention, Rodri qui va aller donc. Et ce ballon a été contré. Allez, pour les Varois. Allez, Davis sur le côté gauche. Allez, Davis donc pour aller chercher le roi Sané. Le roi Sané derrière tranquillement avec Kimmich. Allez, Kimmich qui avance en passe de Kimmich pour trouver Upamecano. Allez, Upamecano qui gagne du terrain. Il y a des solutions à droite. Il décale vers Coman. Allez, Coman qui avance. Coman qui va être dribblé. Grealish qui décale vers Pavard. Peut-être le centre de Pavard. Allez, Pavard qui joue derrière pour décaler vers Upamecano. Allez, Upamecano qui joue derrière vers De Ligt. Allez, De Ligt qui décale sur le côté gauche. Dans les 28 mètres avec non seulement le contrôle de Davis. Davis sur Kimmich. Kimmich sur Davis. Davis vers le roi Sané. Le roi Sané pour Moussiala. Moussiala, le roi Sané. Le roi Sané, Moussiala. Moussiala, Davis. Davis derrière avec De Ligt. Allez, De Ligt dans le rond central. Ballon récupéré par Upamecano. La passe de Upamecano devant pour trouver Kimmich. Allez, Kimmich sur Moussiala. L'accélération de l'Allemand. Moussiala toujours. La passe de Moussiala sur le côté. L'accélération de Davis. Et ce ballon va sortir. Ce ballon va sortir. Allez, corner. Mais changement. Allez, corner pour les Bavarois. Allez, corner pour les Bavarois. Kimmich pour tirer le corner. Allez, Kimmich pour tirer le corner. Allez, une balle de haut, but partout. Allez, corner tiré par Kimmich. Et la sortie d'Ederson. Et ça fait corner. Ederson donc. Remet ce ballon en corner. Ederson remet ce ballon en corner.
Allez, attention, corner tiré par le roi Talé. Et ballon repoussé par De Bruyne. Allez, ça revient encore tranquillement. Ballon récupéré par. Avec Kimmich. Allez, Kimmich qui décale vers Davis. Allez, Davis pressé par, par Grealish qui joue derrière. Vers Sommer. Allez, Sommer qui décale. Vers Kimmich. Allez, la part de Kimmich devant. Vers Upamecano. Upamecano pour Kimmich. Et la part de Kimmich contrée par Grealish. Mais il s'en sort quand même. Ballon récupéré par Davis. Allez, Davis qui décale sur le côté droit. Avec le contrôle de Moussiala. Moussiala, il a vraiment du mal. Moussiala. Allez, ballon récupéré par Rodri. La passe de Rodri contrée par Davis. Ballon récupéré par Moussiala. Attention à l'accélération de Moussiala. La fin de seulement de Goretzka. La passe de Moussiala. Et Moussiala. Allez, ballon contré. Le duel aérien avec Rodri. Ballon récupéré par Rodri. Rodri qui décale. Avec l'accélération de Bruyne. Attention. De Bruyne qui accélère. Il y a beaucoup d'espace. L'appel d'Alain dans le deuxième poteau. Attention, le retour de Leroy Sané. C'est pas mal. La couverture de Upamecano. Allez, Upamecano qui récupère ce ballon. Upamecano qui récupère ce ballon. Allez, la passe de Upamecano. Vers Kimmich. Allez, Kimmich qui temporise. Allez, Kimmich toujours. Salut à vous, Mati Badian. Anastasio, Fava. Stadio, petit Babi. Allez, on va récupérer. Avec les Babaroua toujours, la passe derrière de Gnabry. Allez, Gnabry pour décaler avec Kimmich. Et l'appel sur le côté gauche, seulement Davis et décale vers Davis, peut-être le centre du Canadien. Allez, Davis qui est sur la sortie, Davis toujours. Davis qui va se déborder, le centre de Davis. Il ne trouve pas de preneur, voilà de pousser par Grealish. Allez, ça va sortir en touche, allez, là tous ces Bavaroises. Là tous ces Bavaroises. Mais qui voulait le changement. Allez, Sadio Mané va rentrer. Allez, Mané va rentrer. Mané va rentrer, les amis. Mais avant ça, changement pour City. Hein. Avant ça. Allez, De Bruyne qui sort. Allez, De Bruyne qui sort. C'est rare. Il est blessé ou quoi? Et il a l'air de ne pas. C'est Alvarez qui rentre donc à la place de De Bruyne. Alvarez donc qui rentre. Changement pour City. De Bruyne donc cède sa place à Alvarez. Donc Alvarez qui prend la place de Bruyne. Allez, ballon récupéré par les Warois. Avec Davis sur le côté gauche. Allez, la passe de Davis devant pour trouver le roi Sané. Allez, le contrôle de le roi Sané toujours. La passe de le roi Sané derrière. La déviation tranquille. Allez, attention, attention. Ballon récupéré par Upamecano. Allez, Upamecano qui avance. La passe de Upamecano devant. Attention, la déviation de Pavard. Allez, Pavard qui joue avec Goretzka. Allez, Goretzka qui décale sur le côté droit avec Coman. Il y a beaucoup d'espace. Le centre de Coman. Et la tête de Pavard. Et cette tête de Pavard qui passe dessous. Elle est pas mal qui n'arrive pas à cadrer sa tête. Et Mané va rentrer, les amis. La bonne nouvelle, c'est ça. Allez, c'est Moussiala donc qui sort. Allez, Moussiala qui sort. Ouais, je le vois évoluer. Il n'a pas été si convaincant. Allez, Moussiala donc. Moussiala qui sort. Et Sadio Mané rentre, les amis. La rentrée de Sadio Mané. Sadio Mané donc prend la place de Moussiala. Allez, on va voir sa position. Mané va jouer donc. Allez, les dégagements devant. Attention, la tête de Davis qui repousse sa ballon avec De Ligt. Tranquillement poursuit avec Davis. Allez, Davis qui contrôle tranquillement sa ballon. La passe devant. Avec le contrôle de Gnabry. Allez, Gnabry qui joue derrière pour décaler vers Kimmich. Allez, Kimmich joue derrière. Avec De Ligt. Allez, De Ligt pour décaler vers Upamecano. Donc Mané qui rentre à la place de. On va voir la. Attention, ballon récupéré par Alan. Alan toujours. Le centre d'Alan. Bernardo Silva. Oh, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Pour marquer les deux buts. Et ça fait 2-0. Quel erreur. Quel erreur de la défense. Pop. Ça fait 2-0. Quel erreur de Upamecano. Aïe. Quelle erreur d'Upamecano. Quelle erreur d'Upamecano. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et Alan. Pop. Quelle erreur d'Upamecano. Et ça fait 2-0. Quelle erreur d'Upamecano.
Ça va être compliqué de renverser ce match maintenant. Ça va être compliqué pour les Bavarois. Ça va être compliqué, les gars. Allez, Bernardo Silva, donc, qui permet. Allez, on va récupérer par les Bavarois derrière. Avec Sommer, allez, Sommer qui décale vers Pavard. Si les Bayern peuvent espérer une qualification au match de retour, c'est le moment. Parce que 2-0, 2-0 City, City à l'aise. Allez, rapidement. Voilà récupéré par Sommer. Allez, Sommer qui décale sur le côté. Allez, l'emplacement, on va récupérer par Upamecano. Attention, encore une fois, Upamecano, on a perdu. Récupéré par Alan. Alan qui décale vers Kimmich. Attention avec le crossé de Gundogan. L'emplacement de Gundogan à son ligne 2. Ballon contré par Upamecano. Grealish, le centre de Grealish vers Bernardo. Et la tête de Davis. Et ça fait corner. Et au moment où Madé rentre, le Bayern a pris le début. Allez, corner. Allez, corner. Attention, corner tiré. Et voilà, le poutre par Pavard. Ça revient avec le contrôle de Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière tranquillement. Allez, pas décalé avec Gundogan. Allez, ballon pour les Bavarois. Avec Kimmich. Allez, Kimmich qui peut avancer. Allez, Kimmich qui avance. Allez, Kimmich toujours. Allez, la passe de Kimmich devant. Attention pour décaler sur le côté. Allez, le contrôle de Pavard. Pavard qui avance. Il y a beaucoup d'espace avec le Roi Sané. Le centre vient le Roi Sané. Attention, la déviation devant. Bon, on va pousser par la défense. Et capté tranquillement. Capté, quel joueur ce Rodri. Quel joueur ce Rodri. Allez, les gars, il reste une personne pour les 28 190. Allez, ballon récupéré derrière. Allez, la passe devant, tranquille. Allez, rapidement. La passe à Kendi. Allez, ballon contré par le Roi Sané. Et ça fait tous. Ça va être compliqué, les gars. Est-ce que vous croyez que le Bayern peut renverser ce match? Les gars, est-ce que vous croyez toujours que le Bayern peut renverser ce match? Ça va être compliqué. Hein. Allez, là, tous devant. Allez, rapidement. Allez, ballon récupéré par Gundogan. Allez, la passe de Gundogan qui décale sur le côté avec Ake. Allez, Ake qui peut décaler sur le côté gauche. Avec l'accélération de Grealish. Attention, Grealish qui accélère toujours. Grealish qui dépose Goretzka. Allez, Grealish qui joue derrière. Allez, la déviation de Rodri, attention, la passe devant, il le voit avec le contrôle de Grealish. Grealish toujours, il y a des solutions. La passe vers Alan, le contrôle d'Alan, attention Alan, la passe devant, le contrôle tranquillement de Salman Alvarez. Contact ou pas, Gundogan, attention le contrôle de Gundogan. Gundogan, il y a des solutions, la frappe, l'arrêt, et l'arrêt de Sommer. Et Sommer qui vient de sauver encore une fois son équipe. Aïe, 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 c'est trop. Vraiment, c'est trop les amis. Quel arrêt de Sommer. Mais là, aujourd'hui, la défense. Aujourd'hui, la défense du Bayern Munich, les gars. Elle est méconnaissable. Allez tous. Attention, corner, autant pour moi.
Allez, corner tiré. Ballon repoussé par la défense, ça revient encore. Allez, récupéré par les Citizens avec Alvarez. Attention, le centre d'Alvarez. Allah ah ah. Il n'a manqué que lui. Il n'a manqué que lui. Il n'a manqué que lui. Et ça fait 3-0. 3-0. 3-0. Il n'a manqué que lui. Et c'est vraiment, c'est roule compresseur. Comment vraiment marqué. Et ça fait 3-0. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Quelle défense, quelle erreur défensive encore. La défense navarroise est vraiment à la ramasse. Attention, Zedi, attention. Il ne faut pas laisser cette équipe de Titi comme ça. Et ça paye casse, ça paye casse. C'est le haut niveau, ça paye casse. Et il ne manquait que lui, Alan, pour marquer son 11e but en Ligue des Champions. Et le Bayern est entré donc d'être laminé. Aïe, 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 aïe. Allez, ou pas, Mikano. Sadio Mane sax la lugul bal billahi Sadio Mane xol duguna ñaari bi du la ko bal sax la lugul wala bal la lugul bal Sadio Mane n'a pas encore Sadio Mane n'a pas encore poussé devant. Allez, voilà de pousser, ça revient encore. Attention, la passe devant, il y a beaucoup d'espace. Attention, le contrôle de Gnabry. Il y a des solutions derrière avec Sadio Mane qui demande ce ballon. Gnabry, le crossé, il a tardé à ce ball. C'est mal joué, c'est mal joué de la part de Gnabry. Oh, une occasion, une occasion gâchée par Gnabry. Il ne faut pas prendre l'eau. Allez, on va récupérer par Grealish. Allez, Grealish tranquillement. Allez, Grealish, le centre de Grealish. Et la tête de De Ligt. On va récupérer derrière tranquillement avec Goretzka. Et la faute d'Alan. Donc, Alan. 11 buts. Allez, on va récupérer pour Upamecano. Allez, Upamecano qui décale sur le côté. Mané n'a pas encore touché ce ballon. Attention, on va récupérer par Akendi. Akendi, il y a beaucoup d'espace. Akendi, le centre d'Akendi. Et l'arrêt de Sommer. S'il n'était pas là, ça allait être beaucoup plus compliqué. Allez, la passe devant. Allez, on va récupérer par Coman. Allez, la passe de Coman derrière, tranquille. Allez, pour décaler sur le côté derrière. Avec Kimmich, la déviation vers Davis. Si le Bayern marque, c'est possible. Il reste ce match retour. S'il marque, il doit marquer. Le Bayern doit marquer. Attention, l'accélération de Sadio Mané. Allez, ballon dégazé par Diaz. Allez, récupéré par Grealish. Allez, Grealish qui joue derrière pour décaler avec Gundogan. C'est compliqué. C'est compliqué pour les Warois. C'est compliqué. Ils sont capables au match de retour de battre 4-0, 5-0 City. Mais... Allez, double changement. Allez, Cancelo va rentrer. Changement pour les Warois. Gnabry Bouillard, le retour. Allez, la sortie de Gnabry. La sortie de Gnabry. La rentrée de Müller. Allez, Müller qui prend donc. Müller qui prend la place de Gnabry. Allez, Müller qui prend la place de Gnabry. Allez, Cancelo aussi va rentrer à la place de Davis. Davis aujourd'hui, il est méconnaissable. Aujourd'hui, Davis est méconnaissable. Boulen Morusto, sama ñaccio bi na lal bal. Boulen Morusto. Allez, on va récupérer derrière. 5 minutes pour plus tomber. C'est faux. Allez, on va récupérer derrière tranquillement avec Ederson. Allez, Ederson qui décale sur le côté droit avec Akendi. La passe d'Akendi, ballon contré, récupéré par Cancelo.
Allez, Cancelo qui joue derrière pour décaler avec De Ligt. La passe de Ligt dans le rond central. Allez, ballon récupéré par Goretzka. Allez, Goretzka pour jouer derrière avec Upamecano. Allez, Upamecano pour Kimmich. Allez, Kimmich toujours la passe de Kimmich qui décale sur le côté droit avec l'accélération de Upamecano. Il y a Sadio qui décrosse. Allez, la passe de Upamecano pour trouver Coman. Allez, l'accélération de Coman. Coman toujours. Il y a Pavard qui demande ce ballon à droite. Allez, Coman pour Kimmich. Allez, Kimmich toujours. Allez, Kimmich pressé par deux joueurs. C'est con. Attention, la passe devant. Et la tête Sadio Mané qui contrôle quand même ce ballon. Bien joué Sadio. Allez, la passe de Sadio derrière, ballon contré. La passe de Sadio est ratée, ballon récupéré par Alan. Alan qui décale vers Alvarez. Allez, le contrôle d'Alvarez, le retour de De Ligt avec Alan. Alan derrière, Rodri. Allez, Rodri pour jouer derrière, pour décaler sur le côté droit. Avec Akendi. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Allez, voilà toujours. Allez, Sensu qui renverse le 2 sur le côté avec le retour. Et la faute de Kamara. Attention, Lazmi qui l'avantage, ballon récupéré par Grilis. Allez, Grilis pour aller donc défier au Upamecano. Allez, Grilis, le conseil de Grilis, il y a la solution. La passe de Grilis, vous trouvez Alvarez. Le contrôle d'Alvarez. La frappe! Et la frappe d'Alvarez! Et qui passe de ce côté! Et ça, c'était une balle de Cartero. Oh, la frappe d'Alvarez! Oh, il avait vu juste! Oh, ça effraie le poteau. C'est pas mal cette frappe de Alvarez. Allez, ballon récupéré derrière. Avec Sommer. Allez, la passe de Sommer devant. Attention à la déviation, ballon perdu. Récupéré toujours avec les titres de l'attaque. Le Rouquet récupère le Roissané. Allez, le Roissané pour cette Sadio Mané. Et la passe de le Roissané un peu court. Ballon de pousser, ça revient encore. Allez, récupéré par Upamecano. Allez, Upamecano qui joue derrière vers Sommer. Allez, les dégagements de Sommer sur le côté. Allez, ballon récupéré par Kilo avec Cancelo. Allez, Cancelo qui joue derrière pour décaler avec De Ligt. Allez, De Ligt qui garde quand même ce ballon. Allez, la passe de De Ligt derrière. Vers Upamecano. Allez, la passe de Upamecano devant. Avec le contrôle de Goretzka. Allez, Goretzka derrière. Upamecano. Allez, il faut, c'est le moment de marquer pour les Bavarois, pour espérer une qualification. Allez, ballon récupéré par Kimmich. Allez, Kimmich qui décale vers Pavard. Allez, l'appel de Sadio Mané. Allez, la passe de Farfus Belleri avec Upamecano. Upamecano, Pavard. Pavard, Upamecano. Upamecano, De Ligt. Allez, les gars, il reste 3 personnes pour les 28 200. Allez, ballon récupéré par Kimmich. Allez, la passe de Kimmich, c'est attention, l'accélération de Le Roi Sané. Le Roi Sané, le face à face, Le Roi Sané. Et la couverture magnifique des Stones. Quelle couverture magnifique des Stones. C'est pas mal. Allez, Stones reste au sol. La couverture tout à l'heure, la couverture magnifique de Stones tout à l'heure. C'est incroyable. Allez, les dégagements d'Ederson devant. Allez, les dégagements d'Ederson devant. Attention, ballon contré. Allez, récupérer sur le côté. La glissade. La glissade de commande. Comme c'est compliqué. Comme c'est compliqué ce match pour les Bavarois. Ah, je ne sais pas s'ils vont se qualifier ou pas, mais. Et les gars, les temps sont minima. Allez, la tous. Allez, Ake pour jouer la tous devant. Allez, la tête de Pavard vers Kimmich. Allez, la tête Kimmich va l'encontrer. Ça fait. Allez, la tête de Pavard devant. Allez, on va récupérer par Goretzka. Allez, Goretzka vers Pavard. Pavard pour Upamecano. Ça sera la passe de Upamecano. Mais qu'est-ce qui arrive à Upamecano?
Mais quelle masse catastrophique de premier canot. Mais c'est quoi, mais... Et les gars, il reste une personne pour les 28 000 là. 200. Allez. Allez, il reste une personne pour les 28 000. 200. Un abonnement et ça va. Allez, Alvarez pour tirer le corner. Allez, corner tiré par Alvarez. La tête. Et quel arrêt. Et quel arrêt de ce moment. Wop, 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 wop. La tête exceptionnelle de Rodri. Mais comment il a fait pour sortir ce ballon. Mais comment il a fait pour sortir ce ballon. Mais comment il a fait Guardiola. Guardiola dit. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, corner tiré par Alvarez, attention. Allez, ballon le poussé par Favard, ça revient encore. Et il y a une faute, il y a une faute. Pop, pop, pop. Quelle tête de Rodri. Quel arrêt de ce mort. Allez, ballon récupéré par Cancelo. À Cancelo avec son ancien équipe joue derrière. Vers Upamecano, la déviation de Müller. Allez, Müller pour Pavard. Allez, Pavard pour décaler vers Coman. Attention à l'accélération de Coman, la part de Coman. Coman, Coman, il a faute. La faute de Pavard sur Grilis et Koufran. Allez, Koufran et carton zone pour Pavard. Allez, carton zone pour Pavard. Merci beaucoup les gars pour les 28 200. Merci beaucoup les gars. Allez, carton zone pour... carton zone pour Pavard. C'est compliqué. Hein. Allez. Allez, Ake. Allez, la passe Ake qui décale sur le côté. Allez, on récupère par Akendi. La passe d'Akendi pour trouver Alvarez. La passe d'Alvarez vers Bernardo Silva. Et la passe de Bernardo Silva est magnifique. Allez, pour trouver Essence. Essence pressé par Delirt. Et il sort derrière pour trouver Bernardo Silva. Allez, Bernardo pour inverser les deux complètement. Allez, le contour de Grilis. Grilis toujours. La roulée. Et la roulée de Grilis qui passe dessous. Les amis. Les amis, c'est City et Enzoab. City est injouable. Bayard aujourd'hui, malheureusement, ce qui faisait sa force, c'était la défense. La défense aujourd'hui est catastrophique. Upamecano, il est à la ramasse. Match compliqué d'Upamecano. Allez, Delirt. Allez, pour inverser les deux sur le côté droit. La déviation de Pavard. Allez, Pavard pour Upamecano. Allez, Upamecano pour Pavard. Maïlène Sadioman, sa occasion. Sadioman, sa occasion. Occasion, ça a il a touché combien de ballons? Deux ballons. Depuis du Gébeli, il arrive à là. Allez, on va récupérer par Delirt. Allez, Mano qui décroche pour aller donc pour venir chercher cette balle. Allez, Upamecano, l'appartement. La déviation de Müller pour trouver Pavard. Attention, et ce ballon est sorti. Ce ballon est sorti. C'est Mora. Allez, l'appartement, il y a beaucoup d'espace avec l'accélération de Cancelo. Allez, Cancelo qui gagne du terrain sur le côté gauche. Cancelo toujours. La passe de Cancelo pour Cesc Sadio Mané. Ballon contré par Akendi. Et ça sort en tous. Allez, ça sort en tous. Allez, là tous rapidement. Allez, Cancelo. Allez, Cancelo qui joue derrière vers Delirt. Allez, Delirt qui avance traité par Alan. Allez, il joue derrière vers Upamecano. Allez, Upamecano qui décale vers Pavard. Allez, la passe de Pavard devant. Vers Coman, allez le contrôle de Coman, Coman, le Goreska, et il demande le 1-2, la passe de Goreska, et la couverture de Ake, et dégagé devant,
Et ballon dans la tête de Pavard qui repousse le ballon. Allez, ballon récupéré tranquillement avec Gundogan. Allez, la tête de Sadio Mané. Sadio Mané qui met sa tête, ça revient. Ballon récupéré par Sadio Mané toujours. Allez, il décale sur le côté droit vers Coman. Attention, il demande ce ballon. Allez, Sadio, il est en position d'ordre de Coman qui joue derrière pour décaler vers Kimmich. Allez, Kimmich qui décale vers De Ligt. Allez, De Ligt qui décale sur le côté gauche avec Cancelo. Allez, Cancelo qui va essayer d'armer le centre de Cancelo. Et la tête de Diaz. Allez, ça revient encore. Ballon récupéré toujours par Cancelo. Allez, Cancelo qui récupère ce ballon. 3 minutes de temps additionnel. Allez, Cancelo qui décale avec Kimmich. Allez, Kimmich qui renverse sur le côté droit avec le contrôle de Coman. Allez, le centre de Coman vers Sadio Mané. Attention, Coman toujours. Et ballon dégagé par Hockey. Allez, ça revient encore. La tête de Pamicano vers Cancelo. Allez, ballon récupéré par Cancelo. Allez, Bayern à 3 minutes. Allez, ballon récupéré par Cancelo. Allez, Cancelo toujours. Allez, Cancelo qui décale vers Upamecano. Allez, Upamecano vers Pavard. Allez, la passe de Pavard devant. Attention, le contrôle de Coman. Attention, Coman qui joue avec Ake. Coman toujours qui accélère. Bien joué, Coman. Allez, Coman qui va essayer donc de centrer. Il y a Pavard qui vient en appui. Il décale vers Pavard. Allez, le contrôle de Pavard. L'extérieur du pied de Pavard pour trouver Müller. Le contrôle de Müller un peu long. Attention, Pavard. Le centre de Pavard, ça a du mané. Et voilà, capture tranquillement par Ederson. Et je pense que c'est fini. Hein. Et je pense que c'est fini. Hein. Allez, il reste 3 personnes pour les 28 210. Intouchable, ouais. Boubacar Dia, non. Tourelle n'est pas nul, il n'est pas nul. Il n'est pas nul. Non, il a pris une équipe pour Ramenteni, donc. Tout le monde fille. Il n'arrive pas. Le temps est court, hein. Le temps est court. Il a pris l'équipe, donc après, il y a les matchs centaines. Quoi. Le temps est court. C'est pas que Tourelle est nul, non, c'est pas ça. Allez, on va récupérer la passe de Rodri, ballon dévié. Donc, c'est un texte sur Nagelsmann. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a été éliminé. Attention, bien joué, ballon récupéré par Sadio Mané. Allez, Sadio Mané, le contre. Sadio Mané qui récupère ce ballon. Allez, il y a Müller qui demande ce ballon. Sadio Mané, il y a des solutions, il décale vers Müller. Le stade de Müller. Attention, ballon contré. Et dégage de Paraké. Et ça fait tous. Allez, ballon récupéré sur le côté gauche avec Pavard. Allez, Pavard poursuit avec Upamecano. Allez, Upamecano qui ramène sur le côté avec De Ligt. C'est la dernière. Le stade de De Ligt, la déviation. Et ballon repoussé avec Grealish. Allez, Grealish qui dégage ce ballon devant. Et c'est terminé. C'est terminé, les amis. Victoire de City. City prend les choses en sérieux pour chercher la qualification demi-finale. City 2000 par minute. 3-0. 3-0, c'est le score. C'est le score final. En attendant la masse retour, City prend les choses en sérieux pour aller se qualifier en demi-finale. Et pour l'instant, City a fait le taf. City a fait le taf. Malheureusement pour le Bayern de Munich. Malheureusement pour le Sadio Mané. City a été intouchable aujourd'hui. City a montré de très bonnes choses. Ils sont dominés. Et ils ont marqué. Bayern, malheureusement, ils n'ont pas eu cet attaquant. C'est Lewandowski qui pouvait non seulement décanter cette situation. Malheureusement pour le Bayern, le match est terminé. 3-0. 3-0, c'est le score final. Les gars, c'est terminé. C'est terminé, les amis. Il va falloir, je sais pas. Merci beaucoup, Diao. Allez, à demain, Inch'Allah, merci beaucoup. Mais pourquoi Kossibi Dutek Mané du couloir? C'est Inch'Allah, ils n'ont pas d'attaquant point. Le Bayern Munich n'a pas un neuf. Il y a Choupo-Moting, Choupo n'est pas là, il est blessé. Donc, tu vois nettement qu'il manque. Hein. Il manque carrément à cette équipe. Donc, tu regardes aujourd'hui la défense de City. Ils n'ont pas été inquiétés. Regardez Diaz, il jouait calmement. Regardez Ake, il jouait calmement. Donc, il n'y a pas ce neuf du côté du Bayern. Il n'y a pas ce numéro 9. C'est ce qui manque à cette équipe. Cette équipe est capable d'avoir de très bons joueurs sur les côtés. Il y a Coman, le Roi, ça, de très bons joueurs. Mais ils n'ont pas ce neuf. Ils n'ont pas ce neuf de métier.
Ils ont vendu Lewandowski, malheureusement. Si Choupo-Moting était là, ça pouvait apporter quelque chose. Donc, ils n'ont pas ce neuf. Ils n'ont pas ce neuf, malheureusement. City a marqué sur cette équipe aujourd'hui. Donc, il va falloir non seulement chercher cette qualification à domicile. Et pour moi, c'est mort. Hein. Pour moi, je ne sais pas si le Bayern peut battre 4-0. 4-0 City, mais pour moi, c'est mort. Hein. Les gars, est-ce que vous croyez toujours que le Bayern peut se qualifier? Pour moi, depuis le début, je l'ai dit, hein, City est favori et City va se qualifier. Depuis le début. Depuis le début, les gars. J'avais dit ça depuis le début. Hein. T'as même commenté au moins, ça rôle dans les routes. Paco. Allez, bonne soirée à vous, Paco. Bonne soirée à vous. C'est terminé, les amis. Je ne sais pas, les amis, est-ce que vous croyez toujours? Et les gars, est-ce que le Bayern peut renverser ce match? Les gars, est-ce que le Bayern, la question, on va terminer sur ça. Les gars, est-ce que le Bayern peut renverser ce match? Est-ce que le Bayern que vous avez vu, est-ce que le Bayern a les atouts pour battre City au match retour? Est-ce que le Bayern a les atouts pour battre City au match retour? N'oubliez surtout pas demain, les gars. On sera là demain. Demain, on sera là. Demain, on sera là, les amis. Demain, on sera au Santiago de Bernabéu. Demain, on sera là pour commenter l'Amérique pour monde. Demain, on sera là, les gars, pour commenter le match du Real. Aujourd'hui, c'est la défense du Bayern qui a passé à côté. Même les appuis. Ouais, Upamecano, tu peux citer. Upamecano a été catastrophique. Upamecano a été catastrophique. Davis aussi. Il n'a pas fait un bon match de Pavard. Pavard, il était à la ramasse. Salut à vous, Nogay. J'espère que vous allez bien. Il était à la ramasse. Hein. Pavard était à la ramasse. La défense du Bayern Munich aujourd'hui, les gars. La défense du Bayern Munich aujourd'hui, ça, c'est compliqué. Donc il va falloir chercher cette qualification. Le match retour, c'est le 19. Donc il va falloir chercher cette qualification. D'après ce que j'ai vu, pour moi, le Bayern, à 100%, le Bayern, je dirais à 15% de chance pour se qualifier. Ils vont jouer à domicile, oui, quand même. Mais quand même, au match retour, ils vont laisser beaucoup plus d'espace. Et forcément, City va marquer. Donc, ils n'ont pas ce neuf capable de changer des matchs. Donc, je l'ai dit au départ de Lewandowski, quand même, il y a Choupo-Moting qui a réussi quand même à combler ce gap. Mais aujourd'hui, à l'absence de Choupo, tu vois nettement qu'il manque, il manque devant. Et derrière, ils n'ont pas marqué, mais derrière, la défense a été catastrophique. Upamecano a passé complètement à côté de son match. Seul De Ligt était assez convaincant, mais c'était pas du tout ouf. Donc, il va falloir non seulement préparer ce match retour. Donc, Thomas Tuchel, certains vont le critiquer quand même, mais pour moi, le délai est court. Le délai est court, quoi qu'on puisse dire, même si que c'est ça. On l'a choisi pour non seulement avec des objectifs à court terme. Donc, à partir de là, aujourd'hui, les objectifs à court terme, c'est de remporter le championnat, c'est de remporter la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, c'est compliqué, en regardant cette équipe de Bayern. Mais pour moi, le délai est assez court. Donc Nagelsmann avait fait quelque chose, donc on l'a viré. Le délai est court, il reprend une équipe donc, où il y avait beaucoup de problèmes, où tu veux non seulement imposer un jeu qui est difficile. Tu vois nettement aujourd'hui, Moussiala, sur l'ère Nagelsmann, il brillait. Et aujourd'hui, donc, avec Thomas Tuchel, tu as l'impression que tu as deux Musiala. Donc, tu as l'impression que tu as deux Musiala. Musiala avec Nagelsmann, ça a été exceptionnel, ça a été brillant. Mais avec Thomas Tuchel, depuis qu'il est là, je vois un autre joueur. Forcément, je le dis. Et derrière, c'est la même chose. Davis, c'est la même chose aujourd'hui. Davis, je ne le reconnais plus. Le Davis que je vois avec Nagelsmann, avec Thomas Tuchel, c'est complètement différent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Même si qu'il y avait des joueurs pro Nagelsmann qui ne voulaient pas que Nagelsmann parte. Donc aujourd'hui,
il va falloir non seulement travailler sur ça, parce que il y a une qualification en jeu. Il va falloir non seulement travailler. Pour moi, ce que je vois aujourd'hui, Bayern, ouais, Bayern, pour moi, c'est mort. Hein. Pour moi, c'est mort. Battre, oui, mais remonter, c'est utopique. Je sais pas. Ouais, c'est. Est-ce que je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est possible. Ils n'ont pas cet attaquant de pointe. C'est ce que City a. Les années précédentes, City n'avait pas Alan. Ils jouaient avec des faux neufs. Et aujourd'hui, ils ont Alan et ça marche. Donc ça a besoin. Les équipes qui construisent, ils ont besoin d'un attaquant, un point d'appui. Je peux appeler Chancy. Ce sont des points d'appui. Donc un joueur comme Choupo-Moting, c'est un point d'appui. Ça te permet non seulement de faire monter ton bloc. Ça permet non seulement aux joueurs sur les côtés de briller aussi. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas ce joueur, tu vois nettement que ça a fait un petit terrain. Il y a Gnabry qui était là. Il ne pouvait pas jouer ce rôle. Gnabry ne pouvait pas jouer ce rôle. Sadio Mané aussi, s'il était là, il ne pouvait pas jouer ce rôle. Müller, la même chose. Donc, il manque un attaquant de pointe à cette équipe bavaroise. Aujourd'hui, cet attaquant n'a pas vu cela. Et derrière, la défense n'a pas été si bonne. Donc, à partir de là, aujourd'hui, avec l'assaut de l'équipe Citizen, malheureusement, ils ont perdu ce match. Il va falloir non seulement travailler encore une fois pour... Je ne sais pas, pour moi, la qualification, elle est morte. J'avais dit que, pour moi, City est favori, donc, et City va gagner cette équipe bavaroise. Donc, 3-0, c'est mérité. On ne peut pas dire que ce n'est pas mérité. Si on regarde les statistiques avec 17 tirs, dont 19 cadrés, tu vois nettement que City mérite carrément cette victoire. Donc, pour le Bayern, tout est possible, c'est le football. On sait l'Allianz Arena, le Bayern a l'habitude, donc... débattre de très bonnes équipes, mais le City que je vois cette année, les gars, c'est le sang. Bayern est crucifié, sec. Cercisé avec Sadio, d'office, tout est possible. Il faut mettre le couleur et la volonté et l'envie de gagner. Pour moi, le Bayern, c'est mort. Non, certes, ouais, tu peux dire ça, mais quand même. Sadio Mané, il n'est pas au top de sa forme. Donc, voir jouer un match retour de qualification, sans doute, il va être titulaire. Mais est-ce qu'il sera au niveau donc pour donner tout? Ce sont des questions qu'on se pose. Et pour moi, c'est compliqué. Il y a beaucoup plus d'ensemble. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui montrent carrément qu'on ne sens pas un entraîneur donc, au milieu de saison. Nagelsmann faisait de très bonnes choses, on l'a changé, on a emmené Thomas Tuchel. Et aujourd'hui, si on remplace un entraîneur pour un autre, ça veut dire qu'il y a des objectifs à court terme. Ces objectifs à court terme, donc le championnat, la coupe éliminée, la Ligue des champions, donc battu par Chelsea. Donc à partir de là, il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas dire que Thomas Tuchel, il n'y a plus d'excuses. On l'a choisi pour des objectifs. Les objectifs, ce ne sont pas des objectifs à long terme, ce sont des objectifs à court terme. Donc à partir de là aujourd'hui, c'est à lui aujourd'hui de voir d'apporter d'autres choses qu'il peut faire qualifier son équipe au match retour. Donc Choupo-Moting, forcément il va revenir. Et pour moi, si Choupo est là, ça sent beaucoup de choses. Si Choupo-Moting est là, ça sent beaucoup de choses. C'est un joueur qui apporte, qui permet non seulement à l'équipe donc de se diversifier. Donc aujourd'hui il n'est pas là. Et il faut faire une petite rêve. Mariam Sall, ils ont perdu, mais ils doivent faire tout pour gagner le deuxième match. Ouais, le match retour. Ouais, ils doivent tout faire. Hein. Même si que ça ne va pas être facile, mais nous avons un peu de grec pour démontrer sa qualification. Merci les gars, tous ceux qui sont, merci beaucoup pour les 28211. Et les gars, on va terminer sur ça. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour le Bayern? Ouais, pour le Bayern Munich. City, on n'a rien à dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Bayern Munich? Donc Sadio Mané, il a rentré, il a touché 3 balles ou 4 balles. Hein. Ouais, pas plus.
Bah, il a rentré et l'équipe a pris l'eau. Donc il a rentré et l'équipe a pris l'eau. On ne peut pas dire que c'est de sa faute, non. C'est par rapport à la défense, a été catastrophique. Donc Upamecano, Mouma et deuxième bibi. Donc troisième bibi, la défense avec Davis. Il était à la ramasse. Donc, bravo City, Abibaro. Bravo City, allez Bayard. Au retour, bonne chance. Ouais, on peut dire bonne chance au Bavarois. Même si actuellement la chance, on va la chercher. Hein. Cette chance aujourd'hui, tu dois la chercher. Hein. Inter donc qui bat Benfica 2-0. Inter aussi. J'attendais aussi à sa qualification. J'attendais aussi à la qualification de l'Inter de Milan. Donc Inter donc qui bat Benfica 2-0. Et les gars, n'oubliez surtout pas donc d'aller sur les liens du Real Madrid et de liker au maximum. Demain on va faire donc le match du Real. Donc n'oubliez surtout pas donc d'aller donc sur les liens du Real Madrid. Demain on va commenter Inch'Allah donc le match du Real. Allez les amis, donc c'était tout. Donc les amis, c'était tout. Demain, Real Madrid. Oui, demain, on sera là. Az, merci beaucoup, Az. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup, Az. Abibaro. Ouais, demain, Real. Demain, on sera là donc pour commenter le match du Real. Et c'est vraiment que vous serez là, les gars. On va commenter ce match. Demain, c'est notre équipe qui joue. Demain, c'est la meilleure équipe qui joue. Hein. Demain, c'est le Real Madrid. Demain, c'est le Real Madrid, les amis. Demain, c'est le Real Madrid, les amis. Demain c'est le Real. Demain c'est le Real. Et demain on va faire le taf, Inch'Allah. Demain, le Real va montrer, va donner une leçon de football à. Demain on va donner une leçon de football, Inch'Allah, à cette équipe. Demain on va donner une leçon de football. Allez, gars, je vous mets donc le lien du match du Real Madrid. Le lien du match de demain, donc allez sur ce lien et likez, les gars, likez. On fait 5-4 likes avant le coup d'envoi, je compte sur vous. C'est quoi ça? Et les gars, je vous mets le lien. Je vous mets le lien du match de demain. Je vous mets le lien du match de demain. Après, on se dit bye bye. On peut espérer une remontada en faveur des Bavarois. Ibrahima. Ibrahim Bail se gentil qui met. Allez, merci beaucoup à vous tous. Allez, merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Ibrahim Fia Motro Lofi Khalat. Allez, les gars, voici le lien de demain. Donc, cliquez sur ce lien. À demain, Inch'Allah. Donc, on va faire le match du Real. Prise d'antenne. Je vais faire ça à 17h30. Donc, comme ça, on va parler aussi de Koulibaly du Koulibaly. Le cas d'Edouard Mendy, on va parler de ça. Donc, si vous voulez. Donc il y aura antenne libre. Ngendougou Warsen Khalat. Donc si vous voulez carrément. Le cas d'Edouard Mendy, on va parler donc
Edouard Mendy son avenir, parce que c'est compliqué, je ne pense pas qu'il va rester donc du côté de Chelsea. Donc il fait son retour, il n'est plus blessé. Donc on va parler demain, Inch'Allah, à 17h30 les gars. Je vais vous donner donc, je vais faire antenne libre demain. 17h30, nous d'accord les corps tout. Donc Madef antenne libre. On va parler du cas d'Edouard Mendy. Kalidou Koulibaly, il commence vraiment à retrouver son niveau. On va parler de ces deux joueurs. Et merci déjà à toutes les personnes qui étaient là. Merci beaucoup les gars. C'était un immense plaisir de partager ces moments avec vous comme d'hab. Donc aujourd'hui on s'est régalé, même si on aimerait voir Mané marquer. Mais quand même, il a rentré au mauvais moment. On peut dire ça, il a rentré au mauvais moment. Malheureusement, donc son équipe a pris l'eau. Donc 3-0, c'est le score final. Merci déjà à toutes les personnes qui étaient là. Merci beaucoup les gars. Allez, les gars, il reste une personne pour les 370 likes. Merci beaucoup à vous, Habib Abaro. Bonne nuit à vous, bonne nuit. L'inspiration, voilà pourquoi il ne faut jamais changer d'entraîneur. Et ce niveau de compétition. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure. Ça paye cash. Hein. Si tu changes un entraîneur, l'entraîneur, l'objectif reste le même. Hein. C'est que tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Donc malheureusement pour Thomas Tuchel, c'est compliqué. On va le juger comme ça. Malheureusement. Tu sais que vraiment, ce sont des problèmes internes. Nagelsmann, il a été viré parce qu'il y a des problèmes internes. Donc... dans le vestiaire, et après ils ont décidé donc de se séparer de Nagelsmann. Donc c'est ça. Allez, merci les amis. Allez, c'était un immense plaisir de partager ces mois avec vous. Merci à toutes les personnes qui étaient là. On s'est régalé quand même avec un très bon match. Donc c'est ça la Ligue des Champions. Des matchs, on n'attendait pas un score aussi lourd quand même, mais quand même c'est Man City. Et Man City a infligé une lourde défaite donc à cette équipe bavaroise. Il reste une masse retour, donc la masse retour, c'est le 19. On va voir de près est-ce que City, est-ce que Bayern a les atouts pour se qualifier. Merci à toutes les amis, merci les amis à toutes les personnes qui étaient déjà là. Merci aux viveurs de l'ombre, ceux qui like mais qui ne participent jamais. Donc mes amis congolais aussi, je vous salue. Ceux qui like et qui ne participent jamais, qui ne commentent jamais. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci beaucoup les gars. Bonne nuit à tout le monde et portez-vous bien. Allez, je vous aime. Allez, on fait ça et demain, Inch'Allah, on retrouve donc le Grand Real pour des moments de plaisir et des moments exceptionnels. C'est ça. Demain, on retrouve le Grand Real pour des moments de plaisir et des moments exceptionnels. Allez, merci beaucoup. Et à demain, Inch'Allah. Bonne nuit, les amis.